Ah bah, tu réponds là? Attends, j'étais en train de parler avec un type. Ouais, mais je t'ai envoyé un message il y a 15 minutes, 20 Bah minutes. ouais, mais j'étais dans la cage. Oh merde, on t'a attrapé pour quoi? Ah, superette. Ok. J'ai un dégât là de la drogue, hein, mafioso. Il m'a envoyé un message en disant si on avait 500 places pour 500 coques. J'ai dit oui, sûr. Donc dans une demi-heure on fait ça. Ouais, si tu veux. Ok. Ok, parfait. Et t'as vu pour les sacs? Bah ouais, mais y'a personne pour l'instant. Personne? Ok, ok. Bah de toute façon, on fait tout ça et s'ils arrivent plus tard, je te laisse le camion et. Ouais, mais le camion, je pourrais pas l'avoir. Non, mais je te le sors. Je te le sors. Ouais, mais moi je pars d'ici un quart d'heure et je reviens vers 20h30. Ok, bah 20h30, je suis toujours là, donc c'est bon. Ok, okay. Ça marche. Tu pars à quelle heure? Ok, calme. Okay. D'ici 15 minutes. Oh, oui, 15 mais. Minutes. Ah merde, ok. Parce que lui, okay, il me disait au pire, 30 maintenant, non? 30 bah, minutes. Au pire, tu vas avec Tia, hein. Ouais, mais il faut ton bolide aussi. Il Là, 500. Une Buffalo à 60. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Bah, essaye de faire ça maintenant parce que autrement, je pourrais pas. Ok, je vais leur dire. Ça marche? Oui, à tout de suite. À tout. Ah, je suis poursuivi. T'es libre ah, bientôt là? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va faire les 500 coke. On va prendre. Ah, d'accord, ok. Ouais, okay. On a combien là de coke niveau? Je crois qu'il reste à peu près moins de 50, je crois, mais je suis pas sûr. Ok. Donc, Ok, ok. Bah, de okay. Toute façon, il veut qu'on prenne 500, donc on va donner l'argent qu'on a et. Et on okay, okay. Qui manque. Je vais l'appeler pour voir dans combien de temps, si on peut le faire rapidement. Yes. C'est ok, ça marche. Oui, je suis devant, je suis Andrew. Au pire, tu sais ce que j'ai sur moi, je le montrais et puis voilà. Tu vois. Ok, ok. Fais attention, il y a beaucoup de flics. Hein. Vas-y, j'appelle. Ok. What is wrong with you? Hey Don. Prends-moi ça tout de suite là. Ne prends pas la tête là. On a besoin d'argent là. Hey Don. Ne me prends pas la tête. J'en ai besoin d'argent. Hey monsieur, bonjour. Bonsoir. Ah. Bien, vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, j'achète bouteilles d'eau, sandwich et jumelles. Ah ouais?
Oui, pourquoi? Non, pour savoir, hein, je vous ai vu arriver en courant et tout, par la petite ruelle derrière. Ok, et alors? Bah, on vous a reconnu un peu, à force. C'est pas la première fois qu'on se croise, monsieur Llorente. Et alors? Mais vous, faut passer la page, hein, des fois, hein. Faut arrêter tout ça, hein. Ah bah j'aimerais bien, moi, le problème c'est qu'à chaque fois on vous recroise et la plupart du temps on a raison quand même. Bah, une fois sur deux à chaque fois. Mais c'est très bien, si je vois que vous avez arrêté, c'est tant mieux, hein. J'ai pas dit que j'ai arrêté, mais Ah, là je fais rien là. pas cette fois. Cette fois j'ai pas eu de chance, c'est ça. Bon, ça sera pour les autres fois, quoi. Bah oui. Vous êtes arrivé avec quoi, Ouais, comme jusqu'à... dans les mains? Quoi? Non, je demande parce que à chaque fois les gens ils viennent avec MP5 ou autre dès le début à Superette, donc vous voulez savoir, vous êtes venu avec quoi en main? Quelque chose ou rien du tout? Là, j'avais le pistolet. Après, je Un l'ai rangé. pistolet carrément? Ah ouais, vous êtes pas taser? Ah ouais, d'accord. Vous êtes de ce genre-là? Ok. Ouais, c'est dangereux avec vous. Bah, vous faites un braquage. Dans le doute, on prend les sécurités, nos précautions. Après, si on voit que c'est calme, on le range, quoi. Ah, ok. Ok, vous êtes quel matricule s'il vous plaît? 85. Ok, merci. Non, je note, je veux étude parce que bon, vous savez, moi j'ai un bon avocat et comme ça à chaque fois je gagne un peu d'argent parce que vous faites des erreurs et tout, donc y a pas de souci, moi je suis juste là pour notifier. Donc là vous Notifier allez me quoi? fouiller, c'est ça? Ah non, c'est pas fouillé. Ok. Pourquoi, si je vous fouille, j'ai trouvé des trucs? Bah peut-être. Bah après, non, pas besoin de vous fouiller. Ok. Bah, si j'avais un souci, j'ai tu t'es pas braqué, le monsieur. Ouais, elle s'est baissée, je crois que je l'ai un peu Ouais, elle énervé. dit rien. Ouais, non, mais ça, elle s'énerve pour rien, elle est susceptible. Mais c'est pas grave. Peux prendre le téléphone Elle là? me le dit. Bah, je vous ai rien dit. Ok. Je suis Allô? pas en train de vous Ouais, t'es arrêter. où? Je suis dans Supérette. Ah, mais non, il faut livrer les sacs. Oh Ah, oui, mais. mais il y a un flic devant moi, il n'y a pas de problème, j'arrive. Je peux y aller, monsieur? Ok. Bah oui, vous Ok, avez c'est bon, vos il me courses. laisse. Oh, bah bonne soirée T'inquiète, à je vous. finis vos courses, bonne journée, À hein. toute. Je suis chez À moi, il toute. faut sortir ton truc Au revoir. et viens direct chez Ok, moi. j'arrive. À toute. Bon, allez, bah, bonne soirée à vous alors. Allez, bonne journée, et à plus tard, hein, peut-être. Merci. Non, parce que si je l'avais braqué et que je prenais, il allait. C'est pour ça que j'ai dit que non, je l'ai engueulé, je l'ai insulté, tu vois. Elle a eu peur, il faut être honnête, j'ai essayé de la braquer. Donc faut être aussi un peu RP. Normalement, la meuf elle a peur parce que je l'ai quand même fait peur, elle s'est baissée. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je l'ai engueulé et que je l'ai fait peur, tu vois. Parce que j'ai voulu faire un braquage, ce qui est vrai, parce qu'elle pouvait pas me donner. Qu'est-ce que j'allais dire? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon stream. Ça va être un petit stream vraiment, ça va être juste petit. On va faire niveau transfert de coke et une transfert de sac. Je pense que je vais presque rien faire d'autre. Et après, je vais couper parce que j'ai l'événement, The Event, donc je bouge ce soir. Soyez présents, soyez là, ça serait cool. Il y a du monde. Et vous savez que le donation de goal, j'ai décidé de le faire à la première heure de The Event, voilà. Comme ça au moins la première heure je vous parle et je suis content et on le fait en direct comme ça. La scène de Révan a été bien sûr qu'elle a été validée, il n'y avait pas de soucis. C'est du RP tout ça. On a eu une information, alors je sais pas si vous vous rappelez, dans la piscine. Je préfère vous le dire au moins vous le savez. À la piscine, nous avons eu une information donnée par Andrew, qui a été donnée par d'autres gens. Et en fait, cette information, on ne doit pas la prendre en RP. Donc, c'est-à-dire que là, c'était Angarels qui avait payé un autre groupe qui est les jaunes pour faire des braquages. Donc, cette information, on l'annule. Voilà, au moins vous savez. Elle est annulée, donc on l'a jamais su. Et on le saura jamais, entre guillemets. Voilà. Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons, peut-être que ça a été dit trop rapidement ou des informations qu'on n'aurait pas dû être dit ou un truc comme ça, tu vois. Mais il n'y a pas de problème, il faut vraiment que vous sachiez.
Yo. J'entends pas. Ouais, mets-toi sur le trottoir, non? Il y a peut-être les blagueurs qui vont nous aider avec leur véhicule. Ok. Non, mets ta voiture comme nous. Comme moi. Parce que sinon, police va dire, va trouver une excuse pour... Je te donne les doublons. Ah, on est que deux, je sais pas ce que. T'as fermé ton véhicule, hein? Ouais. T'y es allé là, non? Ah, je lui ai dit de venir, mais je suis pas dans le compte. Il y a Tommy aussi, mais il faut qu'il aille juste. Ouais, t'avais tué. Eh ben, si, c'est bon. Qui est la moto, là? C'est pas grave, fais pas faire, ça sert à rien. Les rouges, ça tiens. Gestion clé, je te donne doublon. C'est quoi mon plaque, moi? Elle est là. Parfait. Salut, tiens, je te donne. Donne au cœur. Doublon. Ça, tu mets dans les voitures. Ah, moi, je te donne doublon. Comme ça aussi. Voilà. Allez, merci. Rentre. Vas-y, qu'on fonce. Si on devrait pas mettre dans le parking, vraiment c'est trop vu. Bah, mais faire les allers-retours à chaque fois, non? Ah oui, mais de toute façon, on doit attendre 5 minutes à chaque fois. Non. Ouais, ok, quoi. Bon, moi je vais laisser là, de toute façon, je suis toujours gagné là. Donc. Ok. Et juste après, on fera la coque. Ah, Coca-Cola, messieurs, bien sûr. Vous buvez du café, nous on prendra du Coca-Cola. Parce que quoi. C'est chiant. Bah, au pire, la coco, vous ferez deux. Hein. C'est 500, on n'a pas ça. Hein. Bah, vous ferez plusieurs voyages, quoi. Deux voyages. Ah, c'est dur, hein. Ouais, je sais bien, mais. Non, pas trop chaud. De quoi? Là, y a pas trop le choix. Putain, j'ai pris 2000 encore, c'est chiant. Et l'autre, il a réussi à acheter la moto que je voulais, ce bâtard, le aller en haut. Ouais. Le type, en plus, il me met tout sur le prix, tu sais. J'ai fait comprendre que s'il voulait vraiment faire quelque chose avec nous, qu'il fallait être honnête. Il peut se faire niquer, hein.
Avec ta mitaine en plus. Je vais mettre un coup de pression, genre qu'il me laisse la moto et j'espère rentrer. Non, fais pas ça, fais pas ça. Mais t'as mytho pour le truc? Bah, le type qui l'a vendu, il m'a dit 40 000, il me dit qu'il l'a eu à 35 000. Ah, c'est peut-être vrai, hein? Bah, c'est le prix que j'ai proposé hier. Yeah. Ah oui, mais c'est pour ça, je pense que peut-être qu'Alejandro l'a eu à 35 000. Hein. Non, mais il m'a dit, le type, je lui ai demandé s'il l'avait bien réservé depuis plusieurs jours. Il me dit oui, il y a juste le prix en fait qui compte encore. Ouais. Ah, il a payé 40 000, je crois, Alejandro. Ouais, 35 000, il m'a dit là. 35 000 et après. Ouais, parce que moi il m'a dit putain, le mec il me harcèle et tout, il m'a mis un coup de pression, il doit acheter sa moto. Enfin, moi c'est ce qu'il m'a raconté hier, tu vois, ça tombe pas vrai. Ouais. Hein. Moi je lui dis t'es complètement con d'aller mettre 40 000 sur une Akuma. Ah putain, il y a la coke là. Il y a John aussi qui me dit que les objets ils nous les reprennent au tarif max jusqu'à dimanche. Ok, mais là le problème c'est qu'il y a la coque qui est prêt. Il prépare. Attends, je vais demander à John s'il peut venir avec des véhicules. Comme ça on libère au moins ton yoga et au pire vous faites plusieurs trajets. Hein, mais... Ouais, mais eux ils veulent pas, enfin ils m'ont dit qu'un seul aller. Parce que là, si on réfléchit, c'est pas qu'un yoga, hein. Yoga. Ouais, je sais bien. En 50, t'as pas sur toi. Donc, Fourgonnette fait 150 kilos aussi. Oh putain. Ok, je vais leur donner une pause et ils m'amènent directement chez moi. Ok, bah parfait. Ah bah, on a les clés de ton yoga. Direct, hein. On a les clés de ton yoga, de toute façon. Ok. Oui, oui, mais ok, je vais demander. Ah, mais attends, ils viennent chez moi, j'ai 200 chez moi. Faut que tu viennes te prendre alors. Oh non. Quoi on est mis où? Va aller chercher vite fait. Que j'aille chercher drogue chez toi. Oui, va chercher drogue direct. Prends voiture et remplis dans la voiture. Il y a de la place pour les descendre dedans? Je sais pas, je vais essayer de mettre le plus possible. Vide tout alors, vide tout dedans. Ouais. Dévider. Okay, allez go. Okay, merde, putain. Ça va être compliqué, hein. Tu mets tout dans dedans et là-dedans et tu vas là-bas et dans la mienne aussi. Tu vas prendre combien par combien? 60 non?
Et il reste 20. T'as de la place pour les 20, c'est bon? C'est bon, t'as le tout? C'est bon? Si tu veux... Ouais, c'est bon. Si tu veux, on peut aller tout déposer chez Andrew là. Ouais, on y va. Ils arrivent là. Bonsoir monsieur, il y a un problème? Et bonsoir. Il y aura un problème sur RNT? Je sais pas, qu'est-ce que vous foutez ici? Mon pote. Ok. Oui. Oh, t'es où? Elle est juste à côté. Ouais. Bah, on est à côté de chez toi, nous, je crois. Ok, ouais, j'arrive. Vas-y, ça marche. Tiens, tu peux prendre ce que j'ai dans les poches ou pas? Non, tu peux pas. Tu peux pas plein, non, moi aussi je suis plein. Et il y a les autres qui sont là-bas. Et pourquoi t'as pas mis chez toi? Et... parce qu'ils arrivent. Ils sont là déjà chez moi. Ah, j'ai mal au dos. Oui, dis-moi. Ah, trop de flics. Je sais, y'a trop de flics. Ouais, du coup, moi j'ai filé chez moi, je range dope chez moi en attendant. Vas-y. Le seul endroit où y'a pas flic. Et par contre, il nous faut ton yoga. Oui, mais je sais, mais y'a trop de trucs. Ouais, mais ils ont pas besoin de ton yoga pour charger. Mais j'ai ma coque dedans, mais j'ai tout était plein là. Ouais, ciao. Attends. Une journée, hein. Salut, Enrique. T'as de la place sur toi ou pas? Non, je suis full là, faut que je mette dans ma voiture. Mais tu vas me passer, attends, je vais juste me vider dans ma caisse là. Non, mais merde. Mais pourquoi tu peux pas sonner chez moi? Parce que si ça sert à rien, je vais pas rempli de 85 que j'ai sur moi. Ah, c'est ça. Oui, et il faut que tu vides la coque qui est dans mon truc. Ouais, mais. Il était tout seul, il y avait pas de yoga. Je donne à qui? Parce que. Je suis désolé, mais il faut attendre quoi. Enfin, oui. T'es où? J'arrive. Eh bah, bouge-toi le cul, t'as 2 minutes. On a habité 5 minutes, t'inquiète, on l'a fait plein de fois. Il faut que je bouge, il faut que je bouge. Qui a 80, je peux, j'ai 85 sur moi, je reviens tout de suite. Donne-moi 70. Ah, tu vois, on passe en bas encore. Vas-y, donne. Ah non, va falloir qu'on discute, ça. J'arrive.
Putain. Désolé. La place? Non, je oui, oui, j'ai de la place. Je peux pas coder. Ah, je me demande ça. Ouais. Où s'il te plaît? Oui. Joue. Chez moi là. Ok. T'as de la place ou pas sur toi, Enrique? Non. Je peux pas l'entrer parce que j'ai touché ça que. Ah ouais, vas-y. T'en as 50 sur toi, Enrique? J'en ai 50, oui. Ok, il y en a 500. Du coup, dans combien de temps tu reviens de commande Paris? Oula, alors là, ça va être dur. Je suis pas là à partir de ce soir jusqu'à lundi. Les autres vont bosser, ouais. Mais ça peut être long hein, parce que je reviens lundi. Ok, ça marche. Vas-y, bah, au pire, je vois avec Andrew, c'est ça? Oui, voir Andrew, mais ils n'auront pas fait avant ce week-end, je pense. Ouais, parce que... t'inquiète, ok, ça marche. Ok, merci. Vas-y, à la prochaine, mec. À la prochaine. C'était une pression énorme. Je ne l'ai pas montré, mais c'était une pression énorme. C'était une pression de ouf parce qu'ils m'ont mis une pression, ce qui est normal parce que je les ai dit, mais bon, le truc c'est qu'on a attendu donc finalement on a fait un truc parce qu'ils étaient dans une demi-heure. Finalement, eux ils ont amené la coque et tout, enfin c'était vraiment un blabla de tout. Ils ont compris au moment où j'ai dit je pouvais pas rentrer chez moi parce que je venais de toucher un sac. Donc ils ont à peu près compris qu'on était aussi en train de faire un transfert de notre côté. Donc tu vois, genre c'était plutôt, je trouve. Mais tendu parce que j'avais les 200 coques ici. Si j'avais laissé les 200 coques là, je pense qu'on aurait pris perpète. Oui, Andrew. Ouais, t'es vers où? J'ai mal au dos, j'arrive.
Ok, il faudra prendre ton yoga, on va y aller. Oui, oui, ok. Tout est à bon tout. J'arrive. Ouais, tout est bon. Moi j'ai bien aimé, ils m'ont mis une pression de ouf. Ils ont raison parce qu'ils ont pas que ça à faire et tout ce bordel, mais. Nous on est des petites mains, mais bon. On se rejoint en parking chez nous. Ok, ok. Ouais, ça va, qu'est-ce qui se passe? On fait le transfert de bah truc. Oui, on fait le transfert à sac, mais pourquoi tu passes par là? Et pour pas que j'aille avec eux. Tu vas pas avec eux? Si, mais en faisant un autre chemin. Ah, ouais, ok. Eh oui. Je vous donne les doublons, putain, j'ai trop mal au dos, merde. Tenez. Hop. Je vais chercher une voiture qui fait moins 40. Tenez. Oh. Moi je suis fou là. Je crois que Tom est parti chercher un véhicule là. Bien, t'as de la place dans ta voiture non plus? Moi j'ai de la place dans ma voiture, mais. Non, dans la voiture, je suis fou aussi. Après, je peux vous prêter ma voiture et vous la mettez en fourrière quand c'est fini. Non, non, t'inquiète, il va aller chercher un autre véhicule, ça va être bon. Ok. On va se débrouiller. Désolé, je porte pas là, j'ai trop mal. Ouais, pas de problème. Bon, ce que je disais, Andrew, normalement ça fait. Attends, je vais dire ça, c'était 989 sacs. C'est ça. Non, ça fait 54 395. Je vous mets un petit bonus de ma part, je vous mets à 60 000, ok? Ok, parfait, merci. Tiens. Merci. Non, c'est moins lourd que les sacs. Ça, c'est sûr. Et ça fait plus plaisir. Pas d'antidouleur? J'ai mal au dos, je vais aller voir le médecin, je pense, pour cacher dans. Putain, moi aussi. Parce que toi, il t'en reste combien dans ton temps? Beaucoup. Il en reste encore dans le Yuga et je pense la bouche aussi. Ouais, parce que. Mmh. 70 dedans. Ouais, je le prends. Ok. Ouais, il est vide. Il est vide, c'est le Buffalo et il est vide, non. J'étais complètement dans mes pensées. Ok.
Al dodo. T'en restes dans la buffe ou pas? Non. Y'a plus rien de véhicule? Ouais. Non, j'ai plus rien sur moi. T'as pas une OK? J'ai mal au dos. Porter oui, trop de sacs. Un petit mal au dos. Ok. J'attends que l'autre, tu viens. Et il m'a payé, c'est bon. T'as payé? Si tu veux, j'ai un anti-douleur en dos. Ouais, je sais pas si c'est. Dans le brawler, il est vide ou pas? Le brawler est vide. Pardon. Oui, il est vide. Ouais. Oui, il est vide. Ah, pour moi c'est Tia qui l'a. De quoi? Ah, j'ai de l'or. Non, donne-le en trop, donne-le en trop. Il va où en fait? Ah, je sais pas, il a payé. Je vais voir ça sous l'os de l'autre, vas-y. Tu veux quoi? Mais normalement c'est bon, tout est vide. On a tout vidé là. Ouais, on a plus rien. Bon, ok, bah si c'est bon, c'est ok. Ok. Je comprends rien. Oh, y'a beaucoup trop de sacs là. Putain, j'ai mal au dos. Il y en avait combien? 989. Putain. Juste pour vous dire, je serai pas là à partir de ce soir, enfin tout à l'heure. Ouais. Jusqu'à lundi normalement. De toute façon, Andrew est là, il s'occupe de tout s'il est pas là. De toute façon, y'a Tia au cas où, mais normalement, on fait des. On préfère faire par beaucoup. Comme ça, on vous prend pas toujours la tête et. On vous appelle une fois tous les 2-3 jours quoi. Et pour après pour avoir mal au dos tout le temps, ils vous appellent tout le temps, les flics vont dire qu'ils vont comprendre. Ouais ouais. Ok, bon bah tout est bon alors. Sympa quoi. Ok. Tout est bon. Et Andrew, Tia, si vous voulez passer après pour vos objets, vous y'a pas de soucis, je serai dispo. Ok, okay ça marche. Ça marche. Ok. Ça marche, ça marche. Bah écoutez, bah à tout à l'heure alors. Ah, et bah, à tout à l'heure. Ouais, tout... Ah, ok, bon, à plus tard. Bonne soirée. À plus tard. Viens, on va au à LSD, on va parler un peu. Ouais, moi je vais devoir y aller. Hein. Je suis déjà à la bourre. Même pas 5 minutes? Bah si, mais vite fait. Parce que, bah, alors chez toi, go chez toi, parce que je vais devoir, on doit enlever les 200 hein, chez vous. Ouais, mais au pire, on prend pas de temps. Hein. Oui, non, mais oui, tu sais, vaut mieux. Il y a une partie chez toi et une partie chez moi. Ok. Et je peux prendre direct, tu vois, comme ça, y'a pas de soucis. Ouais. Combien t'y aille, il t'a donné en plus de temps, les sous. Ouais, il a donné 60. C'est ça. Et t'en fais quoi du plus du coup? Tu peux partager aussi ou pas? Ouais, on va voir. Je sais pas ce que je vais faire. Derrière toi. On va chez toi. Yes. T'as juste nous faire rentrer, je prendrai la coque qui reste comme ça au moins. Ouais, y'a que 45 chez moi. De coque? Ouais, le reste est chez Tia. Ah, ok. Oui, mais. Oui, ok. J'ai 500 chez moi, ah ouais, d'accord. Ouais, il va falloir transférer ce soir chez moi. Oui, bah on va transférer, je vais transférer maintenant, tiens. Ouais, mais moi j'ai pu être l'homme. On attend les échos. Tu veux qu'on prenne vite Ouais, mais non. Oh, ouais, ok, mais j'espère que t'es là à 20h30. Ça fait 20 minutes normalement que je vais partir. Mais... T'es là à quelle heure? 20h30. Ok, 20h30. Bah vas-y, bouge. Ok. Bouge et. Bon, t'inquiète. On se voit après, de toute façon. Je suis au plus vite. Ouais, vas-y. T'es où? Alors là j'ai besoin de rentrer à la maison parce que j'ai un petit truc à faire.
Merde. Ouais, je sais, mais je reviens plus tard. Parce qu'il faut prendre. Tu veux pas venir juste avant de prendre un peu de coke? Mais j'ai coke à la maison, hein. Oui, mais je veux dire, tu sais, moi je pars à 22h et j'ai toute la coke chez moi. Ok. T'as combien, bah, écoute, t'as combien chez toi? Je ne sais plus, j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai tout pris, j'ai déposé, tu sais, okay. J'ai pas cherché à comprendre. Tu reviens dans combien de temps? Parce que si tu viens avant 21h, c'est mieux, c'est bien. Ah, ben je serai là avant 21h. Ok, vas-y, bah alors. Oui, Samira, il faut que tu viennes vers 20h30, okay. C'est possible. Vas-y. Ok, pas de... Ouais, je vais essayer, je me dépêche, okay. Ouais. Vas-y, à toute. À toute. Ouais, désolé encore, hein, j'étais en train de... Il y avait la police à côté, on devait donner des sacs et tout, que... c'était le bordel total. Ouais, t'inquiète, hein, moi, y avait pas de soucis, c'est juste les flics qui étaient à côté, du coup, ouais, ça casse les couilles, mais trop ouais, bien. Ouais, on était... Nous aussi, on était là, ils avaient les flics devant l'autre, hein. Bah, désolé encore, vous dites à patron... enfin, à Mafioso Zero que... Ouais. Désolé encore, il était énervé, je sais. Ouais, il est tout le temps énervé. Ok, ok. Bon, bah, quand vous serez libre, je vous raconterai mon histoire la prochaine fois de ouais, hier. T'inquiète. Vas-y, ça marche, vas-y, ciao, mec. Ah, tu fais quoi, Tommy? Malheureusement, on se fait ça le moment. Ah, bah, je suis à côté de toi, j'arrive. Ah, ouais. Ils sont tous partis manger, hein. Hein? Ils sont tous partis manger. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est moi qui l'a. Attends, depuis tout à l'heure, ramène-moi direct à l'autre. À la banque. Vas-y, je t'emmène là-bas. On a fait quoi de bon aujourd'hui? On a fait transfert, on a pris 500 de cocaïne et on ouais. A donné les sacs d'argent. Donc on va pouvoir vous payer. Ouais, bah parfait. Et on va devoir il va falloir travailler sur l'argent, sur le coca. Il va falloir travailler plus. Hein. Ok, bon. Ok, on va le Il faut faire 15 par 15 et prix max quoi. Ok, toujours pas d'infos sur les futures arrivées un peu plus hautes. Sur ce que je veux dire. Je comprends pas. Ah, la mettre. Oui, la mettre, bah, je pense qu'après c'est 500 quoi. Je pense que si on fait ça rapidement, enfin, proprement rapidement sans perdre beaucoup, je pense qu'on va pouvoir passer à 50% et. Ouais, là tu feras la demande. Toi. Ouais. Ah, parfait ça. Étape par étape, on peut pas aller trop rapidement. Ah, ouais, je sais très bien, je demandais juste ça en vrai. Oui, mais t'as raison. J'avais déjà été évoqué au compte. T'as raison. Toi, je te dois des sacs de 1915. Ouais, clairement. Attends, j'ai jamais eu un compte en banque aussi élevé, ça me fait ça. Je suis émeu presque. Bah, tu vas pouvoir prendre avec Révélan normalement. Il a bientôt. Il a plus que. Il a... Je crois qu'il a plus que 40 000 là. Ah, je sais pas, vu qu'il avait acheté sa moto quand même. T'as combien? Ouais, mais la moto elle t'a pas coûté une fortune. J'ai 20 000 à peine. 20 000? Combien? Attends, mais il faut que tu. Eh, hey, faut que tu bosses plus, hein, vraiment. Hein. Mais il y a 3 jours j'avais 2 000 mecs. Mais oui, je sais. Mais... N'hésite pas à faire des trucs tout seul, hein. C'est pas grave. Hein. Tu sais, 85 ça va vite. Non, hein. Mais je fais des super tout seul, hein. J'en fais pas mal ça. Hi there. Bien. Je te dois 2009. Hi there. Yep.
Ah, c'est bien. Mais ouais, de toute façon, ce que j'avais vu avec le révérend, soit on a assez avant en fait. Et du coup, on le prend dès qu'on a assez. Et moi, pour rééquilibrer, je prendrais un prêt, tu sais, de ce qu'il a mis en plus pour lui passer l'argent. Je rembourserai le prêt, tu vois. Hi there. Soit on n'a pas assez avant le prêt, mais je pense qu'on aura assez avant le prêt. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Ok. Ouais. 1130. Oh, il commence à m'énerver là, toujours me dire bonjour. Et il veut qu'on mette l'argent. Ah ouais, mais c'est relou. Hi there. Ouais, on va faire attention au jour. Je vais revenir, mais ce sera pas pour déposer de l'argent. Vas-y. Tu vas faire un truc avant. Je vais faire une super aide. Tu fais une super aide du nord, je fais une super aide du sud. Vas-y. Ça. Bonne chance à toi. Vas-y, t'inquiète. Non mais j'ai 80k, je dois donner... Pourquoi j'ai 80k? Les 80k que j'ai, j'en dois donner 52 000 donc bon. Si Enrique revient lundi, si après les events tu vas prendre quelques jours pour te reposer. Je sais pas, j'ai dit peut-être pas lundi, c'est pas que j'ai dit aux autres qu'ils font ce qu'ils veulent, et enfin ce serait bien de faire un peu de la co quand même parce que là on en a énormément. Puis ça travaille un peu, ils ont fait un transfert, même si on a autre. Une bâtie, c'est bien une bâtie ou pas? Une connerie, hein. J'ai acheté alors que. Acheter une bâtie, je pense pas que c'était peut-être une bonne idée, mais.
carbone plus loin. Au fond, c'est du RP, hein. C'est Enrique. Hein. T'as dit, je prends de l'argent sur moi. J'ai pris 20 000, ça a coûté 7 000. Je prends de l'argent sur moi et j'achète la première moto. Regarde ce que j'ai comme boîte de moto. J'ai une Bati. Bah, tu t'es déjà acheté une moto, donc je pense que t'avais pas besoin d'avoir une autre moto aussi. Hi there. Déposé 14 000, c'est ça? Non, c'est 13 000. Bon, tu vas tirer. Et ouais, les events bientôt, hein, c'est ce soir que je bouge. Hein. C'est pour ça qu'on a fait, c'est cool, on a fait tous les transferts. Je dois juste rembourser avant de partir, ce serait pas mal. J'ai remboursé Tommy, il faut que je rembourse Ezekiel, 15 000, Tia. Enrique, je pense que Tia va se faire. Il doit combien, là, Ezekiel? Ah oui. Hi there. Tu devais 24 000 ça ou 25 000? T'as déjà dit 10 000? Bah je pense que c'est les 15 000 de là. Hein. Ah vite hein. Oh bossez bien. Hein. On a eu 5 000 ou 4 000 de plus. Donc je pense que ça va être simple. Hein. Je pense qu'on va juste donner 1000 aux 5 qui ont bossé le plus quoi. Donc c'est je pense qu'on va donner Tia, Ezekiel, Andrew et Ricky en 4. Ah, si si Captain Téton, je stream demain. Demain à partir de 18 le The Event. Non c'est pas le prix d'une OP 14 000. Hein. Une OP quoi? Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, mais j'ai cru que vous avez tapé, j'avais ralenti pour dire si vous alliez bien, vous avez retapé. Après, bon, moi c'est une voiture de volée donc je m'en fous, mais vous ça va? Oui, non, mais nous c'est pour vous avez avancé, reculé. Ok, ok. Bah désolé encore. Faites attention à vous. Oui, à vous aussi, désolé. Pas de soucis. J'ai pas reculé en plus, c'est trop marrant. Je me suis juste. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en rappelle même plus. J'ai ralenti pour voir, parce que pour moi, je pensais que j'avais peut-être tapé parce que vous savez, il y a le truc. Je voulais ralentir pour lui dire vous allez bien. Je lui ai dit, mais quel enculé. C'est-à-dire que là, j'ai 500 de coke. Dans cette coque, on va devoir enlever 300. Et je pense qu'on va mettre. Je pense qu'elle a 100. Elle m'a dit qu'elle n'avait que 130. Donc elle a déjà 140. Je pense que Tia, elle peut les garder les 140 ou 200. Ils vont mettre les 300 autres. Et en haut. Là, certes, les sacs. On gagne un petit peu plus, mais quand on passera la mette et 50%, bah là on va se mettre beaucoup plus dessus. Quoi. Premier achat voiture, les amis.
drogue elle se vend le double de la cocaïne. Allez. Premier bâtiment, vous y étiez les amis, premier bâtiment. Premier véhicule les amis. Ouh, let's go. Tiens, Tia, t'avais mis des choses sur ta moto? Vous y étiez? Ah non, c'est vrai, je suis con, il y a la camionnette, j'ai acheté. Ouais, mais je l'ai pas acheté. On va dire premier véhicule acheté au concessionnaire, voilà, on va dire. Voilà. C'est mieux comme ça, désolé. Mec, j'avais oublié le Yuga. Le Yuga, on l'a acheté à un joueur, tu vois. Donc on l'a acheté plus cher que la normale, tu vois, mais bon. Fuck you! Woo, let's go! Mon premier 10-31 avec ma moto. Woo, fuck you! J'aurais tellement un petit moto. Tiens, Tia, t'avais mis des trucs dans ta voiture? Je crois que tu vas te faire rembourser 9000, donc c'est-à-dire que t'as mis des trucs pour... Non. Ah, que dalle, okay. Ah, t'as du mytho que t'as acheté des trucs dessus. Est-ce que vraiment on a besoin? Non, je pense que moto déjà c'est fort. Pas envie de l'améliorer, je pense que ça va coûter une fortune de l'améliorer. On va la regarder, hein. Même si j'en ai pas besoin, mais... Les premières motos, le mec est content d'acheter une moto ici en ville. Non mais la couleur on peut pas la changer je pense, à chaque fois que tu sors et tu la rentres, elle sort de... Elle change de sticker je pense. C'est pour ça qu'elle est intéressante à chaque fois que tu la changes, tu vois. Ok, est-ce qu'on a besoin de train de course? Je suis pas sûr. Blindage, peut-être, pourquoi pas. Wow, ok, 18 000. On va peut-être pas prendre le blindage. Turbo, 15 000. On va peut-être pas prendre le turbo. Réglage moteur, 16 000. Peut-être pas, ouais. Non. Peut-être plaque. Style de plaque, évite de prendre le 56. Ouais, évite de prendre le 56. J'ai pas de plaque. Rien déjà. Lumière, pas. Bon, on va rien acheter, hein, je veux dire. Ouah, deux jantes. Je pense qu'on va rien acheter du tout. Fenêtre, ah, je vais peut-être prendre des fumées, ouais. Leur fumée noire. Si je la mets, ouais. Si c'est fumée noire, ils me voient pas qui je suis, non? Enfin, je veux dire, c'est normal. Je veux dire. Je vois pas à travers, non? C'est tout.
Ouais, c'était cool. Allez, bonne soirée. Allez, c'est comme ça. Hein. Après, c'est vrai que cette moto, si je mets le moteur et le turbo, je pense qu'il irait tellement vite. Le sticker, s'il est déjà, je pense que tu peux pas le changer vraiment. Oui. Enrique, dis-moi, est-ce que t'as des gars, toi, qui cherchent du boulot? Mais du boulot, genre Rogers. Du boulot Rogers? Non, je crois pas, je crois que tout le monde... Je sais que Billy va recruter, là. Donc okay. Si tu veux, je sais pas, c'est des gars, toi, qui ont pas de boulot et qui veulent bosser chez Rogers, c'est le moment. Peut-être Révérend. Ok, je vais te dire ça, Révérend. C'est quoi son nom, son vrai nom? Révérend. C'est Révérend? Bon, bah, je dis ça à Billy, là, ok. Non, je sais pas c'est quoi son nom, Révérend. Moi je l'appelle toujours Révérend. Okay. Tommy PLS. Il est bien sur sa pièce d'identité, il a bien un nom quoi. Oui, bien sûr, oui, c'est pas Révérend, oui, mais je sais pas, moi je l'ai pas. Dylan, okay. Il est PLS, Tommy PLS, Ezekiel est CDT, Tia est rentré Rogers, je suis Rogers. Okay. Et Andrew est ferme. Donc okay. Révérend quoi, je veux lui dire. Tu vas le voir ce soir ou pas? Je vais envoyer un mail peut-être. Okay. Pour le motiver. Ok. Je dis un mot. Mais t'as vu que Rogers, on s'est fait, ils sont fait tirer dessus et tout avec la AK et tout. T'inquiète, c'est réglé. Ok. Ok, et va passer. Ouais, c'est cool, ça va aller, non, c'est pour ça, du coup, faut. Ouais, il va recruter et. Bah ouais, donc Révérend, ok. Je vais en parler. Ok, vas-y. À toutes. Le turbo sur la moto, c'est un bug, ouais. Mais de toute façon, je m'en fous. Je trouve que la moto, c'est déjà fort. Je trouve que. Ok, super, on va mettre le moteur x5, ça va aller beaucoup plus vite et tout. Et c'est quoi, c'est l'injection? Je sais plus le truc là. C'est pas le turbo, mais le. Ça ralentit direct. Il est 20h, les amis. Je vous préviens. C'est dans tous les 48 heures qu'on doit acheter, mais je suis content d'avoir cette moto. On va vendre de la coke. De la coke. Donc là, stockage, j'ai 500 de coke. 500 de coke.
Un hamburger, on sait. Ni un. Quoi? Ah, c'est bien. Bien dégueulasse. En tant que les autres arrivent, on va faire une petite petite supérette là. Merci à toi, Pitcher42, merci pour le sub. 17 mois, je te mets le champagne partout au Stockholm. Regarde, il y a trop de. Il y a trop de trucs comme ça rouge. C'est ça qui est incroyable, je trouve. Il y a... Oh, il y a quelqu'un qui a pris la... Aïe, 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 aïe. Il y a un mec qui a pris juste à côté. Oh. Il y a un mec qui a pris ici, là. Il y a un mec qui habite ici. Il y a un mec qui habite ici. Il va nous faire chier lui. Il va nous faire chier. Non, c'est pas l'Andro. L'Andro il habite ailleurs. Il habite en haut. Eh putain, vraiment. Le mec qui habite ici. Hein. L'enflure. Pas beaucoup d'essence mais on va la jouer comme ça. On va essayer de faire avec la moto. J'aime pas la moto, non, tu sais quoi, non. Moto c'est trop, c'est pas fair play je trouve. Si, on prend, si je prends beaucoup de sacs d'être dans une moto, je trouve que c'est pas fair pour les. Pour la course poursuite, donc on va prendre une voiture. Moto vraiment c'est. La meilleure mais c'est pas grave. En rêvant on n'a pas d'appart encore. En rêvant on doit prendre une appart avec Tommy. Allez, tu vas me donner ta caisse tout de suite, hein. Tu me la donnes tout de suite ou je te prends la tête. Allez. Allez, donne-moi la caisse, donne-moi la caisse. Ne me prends pas la tête, donne-moi la caisse. La caisse tout de suite, la caisse tout de suite, là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Donne-moi la caisse, sinon je vais te remplir mon côté dans ta tête. Allez, allez, allez. C'est ça, donne, donne, donne. Allez, donne-moi des caisses. Allez, allez, allez.
C'est bien, donne-moi, remplis tout, allez. Oh non, ils sont déjà là. Donne. T'as sonné, non? T'as appuyé sur le bouton, Ginette. T'as pas fait ça à moi. Je suis gentil avec toi, là. Donne-moi, là. Dépêche-toi ou je... Non, Ginette, tu vas me la donner tout de suite, hein. Et s'ils arrivent, je vais t'attraper, hein. Je vais te couper les cheveux, hein. Allez, donne, je vais être gentil. Si tu me donnes rapidement, je me casse, hein. Et je te ferai rien. Allez. Donne-moi des sacs d'argent. Je dois rembourser tous les trucs que j'ai payés. Hier, j'ai perdu 10 000 à cause de l'SPD de merde. Alors que je voulais être trop gentil pour la voiture. Et j'ai payé une moto en plus, 10 000 aussi. Donc c'est 20 000 à rattraper. Tu sais ce que c'est 20 000 ? Tu sais ce que c'est 20 000 ? Tu sais ? Oui, c'est ça. 50 sacs. Non, c'est 500... Non, 55 ? 100 ans, non, 50, ça fait, mais non, si tu me racontes, tu dis n'importe quoi, 50 x 50, ça fait 0, non, ça me fait 2500, tu me dis n'importe quoi, c'est pas 50 qu'il me faut, je sais pas compter. C'est combien c'est 20 000? Arrête de dire que tu crois que j'ai combien les sacs là? 20 000, tu sais combien? C'est à peu près 500 sacs, voilà. C'est 25 000, on va dire. Voilà, pour arrondir. Tu sais qu'est-ce que c'est 500 sacs? 500 sacs, c'est cette supérette réussie. Donc je vais pas réussir cette supérette parce qu'à chaque fois que ça sonne tout le temps. Donc ne me prends pas la tête, hein. Allez. Objectif 500 sacs. C'est quand même 7 ou 8 supérettes là, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais ouais, mais je suis obligé, oh. Allez, donne. Ne me prends pas la tête, donne. Allez, je veux que tu donnes. Donne tout ce que t'as sur toi. Donne ce que t'as sur toi. Donne. Et quoi, tu chantes mal? Donne-moi ça. Tu es lente, hein. Et appelle pas. Oui, allô? Oui, c'est où? En train de braquer, là. Et donne-moi ça tout de suite, là. Prends pas la tête, là. Mais à chaque fois, je t'appelle. Oui, mais tu m'appelles. Après, on enlève 300 cook chez moi et on t'amène chez toi, après, ok? Allez, donne, ouais, là, connasse. Bah, moi, je vais voir le John, là. Je vais sûrement bosser chez Rogers. Ouais, je pensais que t'avais pas. T'as un boulot? Mais non, t'avais déjà. Ouais, mais John vient de me demander si ça m'intéressait de bosser chez Rogers. Je t'expliquerai après, j'ai eu une discussion avec mon patron en fait. Ah, ok, pas de problème, tu me dis là. Vas-y, pas de soucis, vas-y, fonce. Yeah. À toute. Moi j'en ai marre. On m'a appelé, je vais y aller. Hop. C'est bien, continue comme ça, 85. Wouh. Allez, encore 5 comme ça, ou 6. Me dit, non, 10 comme ça, c'est parfait. Allez. PCJ, c'est quoi un PCJ? 34-28. Allô? Bonsoir monsieur, ouais. C'est quoi un PCJ? PCJ c'est moto. Ah, c'est moto comment? Moto normale, moto, je sais pas, j'ai pas... Moins fort que la Kuma, mais... Plus fort que la Bati.
Ah non, 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 moins fort que la bâtie aussi. Ah ok, bon bah d'accord, bah désolé, je suis pas intéressé, merci encore. Ouais, y'a pas de soucis. Bonne soirée, bonne chance pour votre vente. Vente, ouais, merci. En fait, si tu veux, quand je suis arrivé en ville, j'ai postulé, on a mis un stop direct. Ouais, mais là, ça va être bon. Pareil. On dira à Bill d'être à côté. Ok, ça marche. T'avais fait quoi pour pas être accepté? Bah, ils m'avaient dit non, qu'ils avaient pas de personne, je sais pas quoi. Ah, ouais, ok. Je venais juste d'être arrivé en ville. Là, là, il y aura de la place qui va se libérer, donc. On va essayer de placer des gens qu'on connaît là-bas. C'est coucou à qui, là? Pas une voiture là-bas. Ah, c'est celle de Ricky. Du coup, alors je prépare calculatrice. Comme je disais, un tarif max cette semaine là pour les objets. Moi j'ai pas grand chose de pédo, hein. Je sais très bien. Moi j'ai beaucoup d'objets là, c'est trop lourd. Tu sais, John, à chaque fois que je reviens en ville, j'appelle cet énergumène là. C'est moi. J'en passe pas, t'es ça si tu veux. Non, j'en ai 85. Chaque fois il est dans le super. Pas 70 déjà, je mets ça dans ma voiture. Je vous paye ensemble ou je vous paye séparément? Séparément celle-là. Pour lui, c'est pour lui tout seul et moi, c'est pour moi tout seul. Ok, ça marche pas de soucis. Allez, je peux donner le reste. Ouais, Andrew, tu sais, il m'a donné 4 ou 5 000 de plus. Ouais, je vais donner à ceux qui ont bossé le plus. 1000 chacun. Ok. Au moins. Ouais, je veux pas bah, faire mes 1000 avec les 25. Ok. Vas-y, Andrew. Et comme ça après je vais retirer, je vous passe à chacun ce que je vous dois. Oui, pas de problème. C'est bon, j'en vais 24 mètres. Non, ça c'est ma boisson ça. Je me suis baladé avec 60 000 dans mes poches pendant une heure, j'avais oublié que j'avais tous ces billets dans ma poche. Oh putain. Un et petit... c'est tout bon. Faire un braquage avec 60 000 dans ses poches, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, c'est risqué. Je suis... Ah, déjà, je vais retirer. T'inquiète. Ah, mais t'es pas possible, toi. 85, t'inquiète. Et le type, finalement, il a acheté la moto, c'est pas... Il y a une moto, là, qui est en train de se vendre, là, 10 000. Ouais, une PCJ, c'est ouais. De la merde. Eh, j'ai acheté une moto. J'ai acheté une... T'as acheté quoi? Bati. Ouais, bah c'est celle qu'on a revendue de tir hier. J'ai fait mon premier course-poursuite avec. Ah. Ouais. Ah, je voudrais bien une Akuma, mais... Et là, il y en a un, il m'a dit... L'Alejandro, il m'a dit qu'il en avait un qui la vendait, mais pas avant une semaine ou deux. J'ai dit, ah, c'est la merde. Mais je vais demander à... Mais je sais pas, Tom, j'ai l'impression qu'il m'apprécie pas. Ah ouais, ouais. Et putain, pas, c'est quoi cette voiture, elle est où?
Dis-moi. Ouais, rentre dedans, on va continuer. Mais non, je vais la casser. Non, mais elle sonnera encore. Laisse-moi la casser. Ouais, mais rentre dedans avant. Ton casier, il en est où? Il est pas très vierge. Mais après, il me fait comme ça, j'ai un autre souci. C'est que tu me coûtes plus cher que ce que je te... que ce que tu m'auras. C'est ça. C'est ce que Ricky m'a dit. Attends. Il me fait parce qu'autrement, il y a les 10. Il m'a expliqué après cette qualité. Qu'est-ce que t'avais fait? Pourquoi? Attends, vas-y, raconte pour ton bâton. La team des 10. Que ce que je lui ai rapporté. Pourquoi? Ça fait trop de temps en ville. Ah, pff, mais comment il sait que comment il sait que tu passes trop de temps en ville? Bah par rapport à tous les salaires qu'il paye. Ah, il voit, il voit les salaires qui tombent, ouais. Ah mais je vais me faire virer de Roger, c'est sûr. Non, Roger, ça va. Moi, en regardant sur ça. Bah, je sais pas, mais l'autre, c'est le DRH, il a dit que je faisais que le quota et que c'était pas bien à quelqu'un d'autre. Mais moi, je fais en plus, le quota c'est 500, mais je fais 600 tout le temps. Après, comme je lui ai dit à Steve, je lui ai dit bah, moi, y a pas de soucis, hein, tu me descends un ou deux paliers, c'est pas pour ça que je ferai pas mes deux tournées par jour. Hein, c'est pas... Après, ouais, je fais 10$, je bosse pas. Je lui ai même dit au pire, tu me payes pas, hein, juste je veux continuer à être employé de la firme. Quoi. Mmh. Mais bon, il m'a mis dans ce qu'on appelle la team d'hélice en effet. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Mais postule à Roger, c'est. Ok, ça marche. Je ouais, ça devrait être bon. N'hésite pas à le faire limite de ce soir, tu préviens Steve, tu dis bon. Ouais, bah, je vais l'envoyer là. Bah tiens, je vais le faire maintenant. Ouais, et tu postules à Rogers. Ah merde, il est tout en bas lui. Steve là, moi. Bonsoir. C'est pas que je viens de. Ou hein, de toute façon, ça sera. Ouais. C'est bien bâti ou pas? Je le connais pas trop en moto pour le coup. Ah, lui. Et dis-moi, c'est bien une bâtie ou pas? Une bâtie? Ouais. Bâtie. Ouais, la bâtie 900, ouais, normalement elle est bien la moto. Ok, ok, je l'ai acheté là. Il paraît que c'est une des meilleures motos avec la Kuma. Ah ouais? Ok, cool. Ouais. L'ai acheté. T'as bien raison. Ah, 7000 je crois là, ouais. Ok, ouais, de toute façon, ouais. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Merci. Ouais, ça y est. Toi, tu m'as payé. Bonsoir, 400, je voulais savoir si vous auriez encore une place pour moi, pour votre entreprise Andrew Minds. En vous remerciant. Il faut mettre ton numéro, non? Ouais. Non, il peut répondre à l'appel et. Ouais, il répondra. Directement, Pierre, il enverra le numéro. Attends, mais je vais mettre ça dans Internet. Nouveau recrue. Toi, tu veux te faire du mal. Mais je me fais déjà mal voir en plus. Je sais pas pourquoi j'ai rien fait de mal. Je pense que le DRH, hein. DRH, il a vu que j'étais trop présent et que je coûtais trop cher. DRH enfin, l'autre DRH, il y a un deuxième. Non, l'autre. Oka. Ah, Peyo, ok. Oka, il a vu que je coûte peut-être trop cher à Rogers. Bon, tu verras bien ce qu'il te dit. Ah, Ricky, du coup, tu fais partie de la team des 10 maintenant ou quoi? La team des 10? Au blé d'or, les 10 dollars. Ouais, ça y est. Bah ouais. C'est quoi ton numéro, Max, déjà? Moi? Ouais. Tu m'as appelé comment, là? Ouais, j'ai entendu Max. Miles. Max. Miles. Ah, Miles, c'est mon nom. Tu m'appelles pas mon nom, maintenant? Miles. Monsieur Miles, s'il vous plaît. Bah, c'est entre... Ah, mais là, t'as... Professionnel et Monsieur Miles et t'as Monsieur Miles. Ah non, oui, oui. Quoi? C'est moi, c'est Miles aussi. Il a le même nom de famille. Hein. Lui, c'est Mil. Ouais, ouais. Non, alors moi, c'est Miles. Je suis arrivé avant toi et toi, t'es français. Alors toi, vous êtes de la même famille, vous deux? C'est Mille. Ouais, français, c'est breton. Ah bah oui, t'es Mille. Breton, pareil. C'est de laquelle pays, ça? C'est la France, il a dit. À l'ouest de la France. Ah, c'est France, non? Non. Ok. Je connais pas vraiment ma géographie. Non, je connais pas trop. T'étais bien blanc. Donc c'est 555 combien? Oh, tu te calmes. Andrew, c'est combien? 1963. Mais tu l'as dans ton répertoire, mon numéro. Oui, mais j'ai pas que ça à faire. Je suis ton supérieur en ce moment. parce que tu es toujours pas chez les Rogers. Moi, je suis là depuis 2 semaines. Quand tu vas rentrer, tu vas être mon petit toutou. Ça se trouve, c'est toi qui vas me donner ta place. Ça serait une sorte de. C'est peut-être vrai aussi. Non, tu vas prendre ma place, putain.
y a de la place. Donc vas-y, dis 555 combien? 79, 63. Pareil, c'est d'autres personnes qui bossent avec vous qui sont 79, 63, c'est ça? 79, 63. Ok, parfait. C'est ça. S'il y a d'autres personnes qui bossent avec vous qui sont intéressées de rentrer chez Rogers, faites-les rentrer chez Rogers. Hein. Oui, bah c'est. Révélant. Ezekiel, il est bien cet été. Hein. Révélant, il va pas bosser. Il faut qu'il bosse, par contre, au minimum. Moi. Bah ouais, c'est ça. Non, laisse tomber Révélant, ça. Là, il part. Non, Révélant, il va être occupé avec la messe et. Le Révélant, il va être l'argent de l'État. Mais voilà. Il touche quelque chose, l'État. Non, il touche de la thune de l'État. 6 dollars, non? Ah oui, de quoi? Quel état? Non, je crois qu'il avait un accord, ce qu'il m'avait dit, je crois qu'il avait un accord avec le gouverneur pour, hein pour avoir un petit peu de temps pour vivre la semaine en tant que prêtre, etc. Oh, vraiment, c'est le meilleur, vraiment. Non, mais lui, c'est, il est trop fort, c'est génial. Quand il fait une messe, attends, il me dit hier, la quête, c'est pour me payer mon appart, je rigole, quoi. C'est génial. Cette nuit, on était tous, on faisait les ginettes une par une, je crois qu'on a dû les faire deux fois chaque hein, cette nuit. Ouais. Nice. Et il avait laissé son scout garé chez moi dans la cour. Mais on a fini tous les ginettes, je viens de coucher, son scout était encore là, fermé. Et apparemment, il est revenu dans la nuit, son scout était encore là. Alors que plus personne. La chance, vraiment. La chance. Grave la chance. Ouais. Non, mais moi, hier, je vais à la banque, je vends ma flash GT. Et au moment où le mec me passe 100 000 $ dans la poche, donc je les ai 120. Il rentre casqué dans la banque avec son gun, il fait « Oh les mains, ça hold up !» Après il enlève son casque, il fait « Non, je rigole. » Ah, lui, c'est le pire, lui. Tu, j'étais comme ça, j'étais en mode « Ouais, ok, c'est toi. » Ah, il est génial, ce mec. J'espère qu'il va faire une messe aujourd'hui, d'ailleurs. Ce serait cool. Je crois qu'il arriverait trop tard, je crois. Ouais, je crois qu'il arrive. Ouais. Et il faut pas non plus trop abuser des messes, je pense. Parce que trop de messes, ça tue. De toute façon, on va y aller, nous aussi. On doit faire un truc là. Yep. Ouais. On vous laisse la petite voiture derrière. Hein. Ouais. C'est la rouge, je vous l'offre. T'inquiète, c'est pas problème. Bon, bah. Ça roule. Ça sert à rien, Ricky. Allez, on va. Ouais. À John. Ouais, je lui dis au revoir. Attends, c'est quoi ton prénom? Ricky. Quand on vient de Ricky. Okay. Allez, vas-y, bonne soirée. Ricky, non. Allez, ciao. Allez, on y va. Ok, maintenant la coke. C'est chez Tia? Non, chez moi. Non, chez Tia, on laisse. C'est chez moi. On va laisser 200 et on met tout chez toi là. Comme ça, quand t'es pas là, il y a Tia qui continue encore. Il faut vraiment qu'on arrive à vendre ces coke là rapidement. Comme ça, si on arrive Il faut les rendre les sous aussi. Quoi? Il faut lui rendre les sous aussi, de la coque, ça non? Oui, non, j'ai dit, on a parlé et on s'est dit que quand tout sera fini, on le fera. Donc on rajoute, tu vois. Non, la dernière fois, t'es redonné derrière. Oui. Là, c'est juste l'argent de. Et je comprends pas, là, on en a perdu et on a exactement le nombre. Enfin, on a perdu. Là, il y a exactement le bon nombre dans le coffre, je suis étonné. Ah ouais? Ouais. Quel nombre? Bah, contre coffre, c'est exactement le même. Merde. Ah ouais? T'es sûr? Ouais, 13 885. Ah, d'argent de sale? Ouais. Oui, mais oui, on s'en fout, c'est... on a toujours perdu 14 de coke. Ouais, mais d'habitude il manque toujours un peu d'argent, oui. Les deux fois précédentes. Tu les avais déjà, je crois. Tu les avais déjà. Ouais. Attends, on a combien enlevé? 300? 300? Je sors mon bobo ou non? Pas besoin. On va voir les calculs. Avec les poches, ça fait 120 à peu près dans le monde. Les 70 seulement là. J'ai pris 70 aussi.
Bouge ta voiture, je vais sortir de... la bâtir. Non, non, la blister de compète, tiens. Les pistons. On a combien dans les poches? Non, mais il manque. Et j'en ai. Il là, tu pouvais 60. Plus mettre. Ouais, il manque 60. Ouais. J'ai 70 seulement. C'est bon, pas besoin que tu mettes. Ah, mais je te l'ai donné. Hein? Vas-y, vas-y. Non, bah, du coup, ça revient au même, je suis Oui Tommy. Moi. Ne me dis pas que tu t'es fait arrêter. Oh merde, t'as pas de chance gros. Non mais attends parce que... Non mais c'est quand tu sors comment je me suis fait arrêter. Tu t'es où là? Tu veux nous raconter à la maison? Moi vas-y j'arrive à la maison de seconde. Vas-y à toute. Bah Andrew. Tommy s'est fait arrêter. Braquage du Nord, il va nous raconter, il arrive. Mais du coup, t'as laissé la coke. Parce que là, on sait même plus. Il y a 45 de la tienne. Ici. Et le reste, chez Tia. Non, non. Donc il y a 155 chez elle. Oui, mais toute la coke qui est à l'extérieur, c'est... il n'y a plus ma coke. Sauf que les stocks n'ont pas été ajoutés à chaque appart. Donc c'est oui, un mais... peu la merde pour savoir. Mais là, ça va être mis, ça va être mis. Y a... Donc là, je mets plus 500 sur le stack. Ah, t'as déjà mis. Déjà mis. Et par contre, ouais, il faut mettre les apparts. Il faut vraiment qu'ils pensent à mettre les apparts quand ça rentre. Oui, bien sûr, ils vont le faire. Là, t'as combien sur toi là dans l'appart? T'as tout mis déjà? T'en as combien en tout? 382 chez moi. Là tu mets 382 et normalement chez TIA c'est le reste. Ouais mais non, il y a toujours les 14 manquants, les 20 plutôt. Les 14 je sais plus, les 14 manquants. Bah on va dire si... Autant les enlever hein. Hein? Autant les enlever les 14. Oui manquants. On les enlève quand on est sud. Quand TIA arrive on voit combien elle a chez elle. Et on verra. Ouais ton Yuga. Ouais yo. Yo. Non mais il y a des Yuga rouges partout, alors raconte-nous. Tu veux savoir comment j'ai fait? Ah si, je sens que ça c'est une connerie. Où tu peux sortir sur le toit, tu sais, oui. Partout. Ouais. Je mets ma moto plus loin, tu sais, loin derrière, plus près de la plage. J'arrive jusqu'à ma moto, j'arrive à la prendre, j'arrive à commencer à m'enfuir, à les semer un peu. Et à un moment il y a une double voie et il y a un tronc d'arbre au milieu. Non, vraiment t'as fait. Je crois que j'ai voulu passer sur l'autre bois, mais le tronc d'arbre il a pas voulu que je passe. Oh non, t'étais déjà parti et tout en plus. T'avais combien de sacs? Ouais, c'était gagné, 36. Gagné. 36? Ah, parce qu'ils sont arrivés, c'est ça? Ouais, ils sont arrivés. Oh putain, t'as vraiment pas de chance.
Et t'as pris combien? Ah, ça, c'est pas une question. Oh, 1000$. Oh, ça. C'est pas une question de chance, hein, c'est juste un trou du cul. Ouais, c'est pas grave, le plus important c'est que t'as contre, pas les 2000. J'ai aucune réponse hein, de l'entreprise. Okay. C'est normal, ils sont pas là. De quelle entreprise? Rogers. Bah, y'a John qui m'a envoyé un message pour dire qu'ils allaient bientôt recruter tout ça. Ouais. Et le patron n'est pas encore là, je pense. Ah, ouais, sûrement. Ok. Ouais, comme ça, on pourra faire des tournées ensemble, Yannick. Ouais. Bon, après, comme ça, tu me formeras. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le bon formateur. Mais... Après, y'a Tia aussi. Ouais, bah ouais. Ah. Et t'as vu qu'il y a quelqu'un qui habite derrière? Il vient de vendre devant quoi nous. Mais... Quoi? Il vient de vendre devant nous. Y'a un mec qui a pris un bâtiment derrière. Y'a un voisin. À droite, juste derrière. Là-bas. Ouais, juste derrière, là-bas. Là. Non, mais c'est sérieux qu'on comptait prendre. Ouais, on voulait prendre celle-là et celle-là, ouais, mais bon, on peut pas, ah ouais, c'est pas. Bah, on va le revendre tout de suite. Mais non, on va rien faire du tout, on s'en fout. Mais la partie derrière, elle est toujours libre, donc faut dépêcher vous. Hein. Bah, ouais, mais. Après, pas... quand on réfléchit, on veut prendre qu'une seule casse à l'appart pour Révérend et Tommy. Donc, celui-là, il faut que vous le preniez, celui de derrière. Oui, bonjour. Bah, c'est ouais, Enrique. Rien, celui-là. Bien, et vous? Ça va, ça va. Hein. Pas tant que On m'a dit que tu cherchais une Akuma. Ouais, j'ai un ami qui cherche un Akuma, ouais. Ok, bon j'en ai une, mais le problème c'est qu'elle est dispo que le... Enfin, je peux la vendre qu'à partir du 4. À partir du 4, ah ouais, ouais, c'est long. Donc c'est dans un petit moment, mais bon, ouais, au cas où, voilà, si jamais tu trouves pas, enfin si ton pote trouve pas d'ici là, je pourrais la vendre si. C'est combien? Vendre combien? Bon, elle est non custom, 20 000. 20 000 non custom? Ouais. Bah je le dirai, ok. Ok. Elle coûte combien normalement sans custom? Enfin, sans custom, elle a 4002, mais bon, vu que 4002, tout le monde la ouais. cherche. Ok. Ouais, normal, normal. Bah, je lui ai demandé, mais je sais pas s'il va vraiment prendre. C'est quoi? C'est x4, x5 presque, ouais. Ouais, après. Oui, normal, c'est normal. T'as une bonne connaissance à toi? Oui, c'est une très bonne connaissance à moi. Ouais, à voir. C'est peut-être possible de descendre sur du 15. Du 15, peut-être? Ok, parfait. Bah, je demanderai. Allez. Ok, vas-y. À toute. Akuma. Le 4 et on peut descendre au 15 000. À 15 000? Ouais. C'est quoi le numéro? Leandro il m'a donné un numéro Connor qui pouvait vendre d'ici une ou deux semaines. Dis-moi son numéro. Attends. Merde. C'est peut-être lui en plus, c'est peut-être le même. ...62-93. Ouais, c'est lui. Bon, vas-y, moi je passe un arc vite fait. Vas-y, à toutes. Vas-y. Pourquoi tu vas à Arc? Tu vas manger? Ouais, ou sinon moi mais je vais mais il y a de la bouffe chez nous là, gros. Ah, pareil, la bouffe, vous achetez plus du tout à Arc. Hein. Plus rien du tout. Hein. La bouffe, okay. On l'a à 6$ unité et la boisson pareil. Ah ouais? Juste ouais. Quand il n'y a plus de stock, je fais commande et c'est good. Okay, juste vous me dites quand il commence à plus rien là-bas. Ah ok, non, moi je voulais comme ça, on n'en donnera pas, c'est pour ça. Ouais, mais si, hein. C'est fait pour. C'est fait pour, la bouffe c'est pas pour nous. Tu crois qu'on va devenir un gros port là? C'est pour nous tous, hein. Je sais pas comment vous faites, il y en a, ils prennent mieux dans le ventre. Ouais, mais on s'en fout, ça c'est la bouffe, c'est pour tout le monde, tous les potes. Et derrière, après, si on n'est plus rien, bah on recommande. Ok, ouais, bah merci du coup. Vas-y alors. On cherche un peu. Oui, c'est un ami, donc il peut descendre à 15 000. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je lui montre mes muscles pour montrer qu'on n'est pas des gros torts. Ok. Et bon, mais c'est trop tard, il est plus là. C'était long. Et oui, donc c'est un ami, donc lui il veut vendre à 20 000, mais si c'est un proche à moi, très proche à moi, il pourra descendre à 15 000. Mmh, ça sera ouais, le 4. C'est trop long, 2 semaines. Hein. Ouais, je sais. Trop long. Qu'elle aurait eu au moins une petite transmission ou du blindage, ça aurait été pas mal. Ouais. Donc voilà. Donc là on okay, est bien. Je vais demander à Tom s'il vend pas la sienne, ça m'étonnerait. Mais... Donc là, le calcul là, 160, ça veut dire qu'elle a 160 chez elle, ça? 163? Hein? Je sais pas. Bah, il manque 14. Et tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle avait foutu. Tu m'as donné 45 chez toi, des ouais. 200 là. Et elle m'a dit qu'elle avait foutu le reste chez elle. Donc 155. Si elle a foutu le reste chez elle, elle a 155. 155 plus 4 qui est resté, je crois. 159. Elle a 159. 159 plus 382, ça fait
Ah, c'est moi qui ai fait les calculs d'habitude. 581 non. Non, redis-moi, redis-moi. Impossible. Eh 382 plus. Combien t'as dit? Ouais. 159. 159 de tête comme ça, ça fait 541. Ouais, oui, oui, c'est moi qui me suis. 541, alors que normalement on a 555. C'est les 14 qui vont prendre. C'est ça, bon. C'est les 14. Ouais, non, mais c'est bon. On les enlèvera dès que Tia nous dit qu'elle a bien ce chiffre-là. On enlève les 14, on s'en fout. Ok. J'ai toujours les marqués, les 159 qu'on a calculé. Non plus 4, quoi. Là, ce chiffre-là, on a. Tu veux payer maintenant ou pas pour les sacs de tout à l'heure? Ah oui, oui, je paye maintenant, venez. À Tommy, j'ai payé déjà et à toi. Ah ouais, ouais, c'est ce que je me disais, c'est pour ça que je suis en train de bloquer. Ouais, 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 on y va. Ouais, la voiture. Ouais, t'es parti où là? Tu viens me chercher moi? Ouais, ok, j'arrive. Ouais, attends. Là. Moi ça va mec. Mais calme-toi Enrique. Il est énervé. Il est... Ouais, calcule bien finalement Tommy. Il dit à chaque fois les bons chiffres. C'est une calculette intégrale sur son téléphone. Ah, je l'ai pas vu sortir son téléphone. Bah, j'ai fait ça de tête, hein. Oui, bah lui aussi, hein. Bon, ouais, je pense bien. Ah ouais, c'est ton fort de te garer dans le sens des passes. J'ai enlevé les 1000 de plus. Je les ai mis à 24 000, tu me dois. Là, je te dois 16 940. J'ai bien l'avoir ma putain de moto un jour, non? Moi, j'ai une bâtie, je l'ai acheté. Hi there. Il y a d'autres boîtes. Il doit avoir... T'as testé la bâtie si elle y est? À tout moment, il y a une autre bâtie, hein. C'est la merde, la petit. Ouais. Hi there. Ah bon? Tu fais une Akuma ou une base bike? De l'argent, non? Tu l'as donné? Là, je te donnais 16 940. Merci. Voilà. C'est ça, je vais pas me travailler avec toi. Okay, pas me braquer avec. Hi there. Hop là, j'ai plus d'argent dans mes poches. J'ai posé 17 000, j'ai encore 1002 dans mes poches, c'est quoi cette merde? Et oui, parce que oublie pas, t'as donné objet. Oui, c'est vrai. Hi there. Putain, je suis trop riche. Je dois 15 000, oh la vache, je dois donner 15 235 à Ezekiel et à Tia 9 955. Ah oui, il a bien bossé. Faut qu'on bosse bien, cocaïne là. Si vous voulez qu'on passe à 50% et qu'on passe au-dessus, on... que vous... Et là, la coque, les 200, on n'a rien fait dessus. Hein. Non, mais pour l'instant, on fait rien, mais si on a besoin, putain. Ouais, non, mais c'est sûr. Là, les 555 qui restent, enfin, les 541 qui restent, il va falloir bosser dessus, plus le dessus, parce que après, je vous dis, hein,
la mettre, ça va être beaucoup, beaucoup. Hein. Ça va gagner beaucoup d'argent si on réussit le coup. Moi, c'est ce que je veux. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que la coque, il va falloir tout vider pour montrer qu'on est bien. Non, je veux juste voir qui c'est qui sort cette bagnole. Pourquoi? Bah pour connaître un peu, pour savoir un peu les véhicules quand on les voit. Ouais, bah je vais oublier demain ça. Demain j'aurais oublié qu'il est où. Non, ça va, une carotte ça se retient non? Ah ouais, lui non, je mais... le pite. Hein. Mais pite pas, ça... il a déjà trop de soucis, t'imagines si tu le pites à tout moment il va vraiment encore rester là. On fait quoi? Je sais pas. Tu peux l'être, ok hein. Oui. Elle a plus Tommy. On fait laquelle? Je sais pas si je vais faire laquelle. Je suis pas avec mon brawler. Hein. Ça suffit. Oui, bah oui, normal, il faut arrêter. Hein. Ou pas la San Andreas, j'ai déjà vidé la caisse. Ah merde, c'est ma préférée. On fait l'Isle Soul? Non, pas l'Isle Soul. Il faut arrêter devant chez nous, vraiment, arrêter. Non, vraiment, il faut arrêter. C'est pas bien. C'est une superette, hein? Mais oui, même, c'est devant chez nous. Mais les autres, tu crois qu'ils se gênent? On s'en fout les autres. C'est pas parce qu'ils font pas. Et les autres ils font plein de cul et on fait pas. Hein. D'ailleurs, Tio, elle a foutu un coup de pression à un type qui fouillait ma poubelle tout à l'heure. Ah ouais? C'était à qui? Il a dit tu fouilles toutes les poubelles mais celle-là tu touches pas. Ah oui, c'est ta, poubelle. Ouais. J'ai dit heureusement que c'était toi parce que tout le monde il aurait. J'aurais montré le petit zizi. Il était choqué quand je lui ai dit à Ezekiel que. J'avais emprunté son zizi. Ah bah normal. Après fais gaffe, à tout moment ça te balance hein. Pareil, maintenant il retire les tasers quand tu les as sur les... Alors qu'il me l'avait laissé jusque là. Combien il vend ça là? Quoi? 62,93. Combien il vend ça sultan lui? Quoi? Ça peut être intéressant, monsieur le temps, une voiture 4 places, ça va vite. Ah ouais, hein. J'ai plus rien chez moi, on est d'accord. J'ai payé toi, il faut que je paye les deux autres avant que je parte. Parce que peut-être que je vais partir plus tôt. Bah, autrement, tu me les donnes et je leur donne. Ouais, mais normalement, ils vont arriver. Peut-être pas Ezekiel. Bon, après, Ezekiel, je le paye plus tard, il a 15 000. Ezekiel, il dort beaucoup, lui. Hein. Après, il faut. De toute façon, il faut... 15 000, je pense qu'ils vont aller tirer. Ah oui, je pense. Hein. Comme ça, je crois qu'il aura fini de renoncer. Ah bah, celui qui vend la sultan, c'est le type qui est à l'Akuma. C'est qui Akuma? Ah, c'est le même? Énorme. Oh putain, le mec vend tout son garage. Bon, vas-y, moi je vais faire un tour. Vous m'envoyez un message s'il faut... C'est pour moi dans la santé. Vas-y. Oh, regarde, il y a les flics là. Là. Où ça? Là, juste là. Ah attends, je vais aller voir. Non non non. On a qu'à faire la super. On les suit, on voit laquelle il fait et on fait juste derrière. C'est pas celle-là qui vient de faire là. Oui non mais on voit laquelle la prochaine. Eh, elle a MST et tout. Bon les braques autrement. Non non mais ferme ta gueule toi. Non mais toi t'es en toi tu vas aller en fédéral. C'est qui lui? Oh, c'est le connard. Oh putain, c'est le connard. Je peux lui faire un doigt d'honneur? Non. Ok. Tiens, salut connard. Venir nous voir comme ça. Excusez-moi, vous pouvez circuler s'il vous plaît? Il y a des gens qui attendent derrière vous, vous faites des embouteillages là. Oui, c'est vrai. Ouais, merci. Non,
quand même derrière le type et il me dit on dissuade. Le mec il me sort des mots que j'ai appris hier. Qu'est-ce qui se passe là? Bah rien. Il m'a dit on dissuade. Bah pourquoi il traîne ici encore lui? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il a pris le. J'ai fait ça et il a pris ça pour lui. Ah non, c'était pour moi le doigt. Mm-hmm. Eh ouais, bah ouais, mais pourquoi faut vous embrouiller tous les deux aussi? On doit être amis. Attendez, vous faites un doigt là-bas et monsieur Lorente est là-bas. Et c'est pour lui. Oui, bah. Ah oui, mais vous, vous connaissez, vous connaissez pas le jeu, en fait, il faut faire refléter sur quelque chose le doigt. Et vous connaissez pas aussi quand vous jouez au foot, vous faites de l'effet avec la balle? Il a fait de l'effet avec son doigt. Ouais. Alors, détourner de ça, enfin, ouais, c'est faut pas détourner de son contexte, quoi. Mm-hmm. T'as une petite question, vous aimez bien les araignées? Les araignées? Mais regardez la face qu'il a, lui, c'est dégueulasse qu'il a sur le visage. Bah non, c'est pas dégueulasse. Et si? Mais non. Une araignée, t'aurais pu mettre, je sais pas moi, un cœur ou. On avait dit qu'on lui disait que c'était stylé. Mais non, mais faut lui dire la vérité, c'est notre ami. Non, ouais, non, mais tu comprends. Oula, je devrais peut-être y aller moi. Pourquoi vous êtes ici, monsieur? Qu'est-ce qui se passe de beau pour qu'on ait votre venue? Parce que je vous ai dit, un petit check super hot, après j'avais envie de laver mon véhicule. Toujours rouler propre. C'était votre excuse. C'est dommage que ça soit que votre véhicule qui soit propre. Oh, bonne soirée. Je joue quand même. What is wrong with you? Oui, monsieur. Il m'a vu rentrer dans la supérette masquée ou pas? You animal. Je sais pas, non, je crois pas. Ok, bah je vais essayer de la prendre alors, je vais l'agresser, non? Ça marche. Je vais attendre un peu quand même. Devant, et à tout moment elle sort et elle crie. What bon, is wrong with you? On verra. Patron? Putain, tu m'as fait peur. Oui, patron, vous allez bien? Ouais, non, pas de ouf, non. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je sais pas, t'as vu l'intranet? Ah oui, je sais, c'est la merde. Il y a 6 employés qui sont partis aujourd'hui. Et vous savez pourquoi ils sont partis? Oui. Pourquoi? Pour de la peur? Non, c'est pas des personnes qui ont peur, non, clairement pas. Non, c'est juste que bah, c'est des personnes qui sont affiliées à des groupes, et vu que ces derniers jours on se faisait attaquer par rapport à ça. Ah ouais, ok. Bah, s'ils sont partis, c'est pour protéger Rogers. Okay. Moi, je suis pas dans un groupe, moi. J'ai des amis, c'est tout. Non, mais y a pas de souci. Ok, j'ai un ami qui veut venir au cas où. Oui, j'ai vu. C'est lui.
Andrew Miles, oui, c'est ouais. ça. Ok. Bah, de toute façon, ouais, y a Tom Opeo qui s'en occuperont. Là, je t'avoue, je pense que j'allais me coucher. Je pense même partir en vacances quelques jours. Ah, vous avez raison. Bora Bora, c'est pas mal du tout. Hein. Bora Bora. Ouais. Ouais, je pensais plutôt aller en Europe. En Europe? Ok. Bah, où? Belgique. Belgique? J'ai les anciens patrons qui sont belges, alors. Je connais pas. Ouais, okay. Moi non plus, alors je vais en profiter. Ah, ok, bah prenez bonnes vacances, envoyez-moi une carte postale. Ouais, bon, après je pars 4 jours. Bah c'est quand même 4, c'est beaucoup, c'est bien, moi aussi je pars. Je pars aussi 4 jours. Ah oui, c'est vrai, oui, tu l'as. Oui, j'ai averti avant. Mais j'ai quota fait déjà. Bah toi aussi tu m'envoies une carte. Ok, pas de soucis, bah carte contre carte. Bah bonne soirée, exactement. Patron. Bonne chance. Allez. Bonne soirée. Tout va bien se régler, vous inquiétez pas. Bonne soirée. Oui, bah j'espère. C'est ton patron? Ouais. Il a vu mon truc? Oui, il a vu. Mais c'est pas lui qui s'en occupe là, il va aller en vacances. Parce que si, ils se sont fait attaquer à la CA et tout, et c'est. Il y a 6 personnes qui sont parties et tout, enfin c'est très triste. Comment ça, 6 personnes? Parce qu'ils se sont fait attaquer à la CA, et je pense que c'est parce que c'est un groupe. Hein? Je fais quoi? Je la braque? Ah oui, go! Vas-y, c'est parti. Mais par contre, sors pas avec ton masque. C'est toi qui devrais braquer, il s'est fait voler déjà là aujourd'hui, non? Moi aussi, j'ai pris 2000 aujourd'hui. Hein. Ah, moi j'ai pris 0 aujourd'hui. Ah, vas-y, bah fonce alors. Ok. T'es pas fait choper par les chefs? Ah si, il vient de se rappeler là. Hein. Bah si, mais j'ai pris 0€, j'ai pris 1000$ d'amende, tu veux la faire sinon? Bah donc t'as pris quelque chose? Ah ouais, mais je croyais que tu parlais en argent, genre. Bah, non, en amende. Mais ah ouais, fais-la, non, j'ai pris 1000. Fais-la, vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Fais-la. Vas-y. Il faut qu'il travaille un peu là. On n'a rien à voir là-dedans. Hein. S'ils arrivent pas, on va chercher les sacs. Ouais. Mais s'ils arrivent, on fait quoi? Et de leur enlever son t-shirt. T'as rien sur toi de. Non, j'ai rien. Si, j'ai nique le LSPD. C'est pour ça que je le garde maintenant, à chaque fois qu'il me fouille, il s'égrise, nique le SPD. Ça coûte combien cette merde? Je sais pas, mais c'est pas mal, hein. T'as écouté? De quoi? T'as écouté, c'est de la bonne musique, hein. Ouais, bah l'autre fois c'était ça là qui avait la messe, non? Oui, mais il a pas tout mis. Tommy, mais il est dans la spade. Non, il a pas tout mis. All Mize. Ah. Il a pas All Mize. T'entends les Giro? Non. Ok. Prêt à appeler Tommy. Casse-toi, ouais. Ouais, je me casse. Vous allez bien? Bonsoir. Vous allez bien? Je suis mort. Il s'est fait avoir deux fois sur doigt, ça sonne, le pauvre. Il arrive, ça, je sais pas. Oh, 3 patrouilles. Je l'ai prévenu, il avait pas vu les keufs, ce con. Je l'ai appelé direct, moi. Ah, tu l'as appelé, moi j'ai un message. Je vais avoir le lieu de cache. Ils l'ont eu, ce coup-là. Moi je vais avoir mon yoga là normalement. Ah mais du coup il faut pas que j'achète la... Sultan. Ah non tu peux pas. En fait... Ah oui tu peux hein, non tu... Bah non. Mais tout à fait. Si j'achète celle-là et le yoga, bah j'aurai 3 véhicules déjà.
Du coup, je m'aurais pu acheter la moto. Ah ouais, ouais, bah ouais. À toi de voir. Le type m'a dit 4K pour la... Je lui ai dit 2K s'il me baisse pas, je lui ai dit rien. Voilà. Autrement, je la proposerai à Dylan. Ouais, voilà. On voit comme quoi ? Acheter le Yoga. Ouais, vas-y, tu veux y aller ? Ah, il me propose d'aller essayer. Qu'est-ce vas-y. Qu'il y a ? Non, je veux pas, c'est une vieille, elle a rien. Calme-toi. Arrête de t'attaquer aux vieilles. Pourquoi y'a les keufs encore ? C'est pas. Il faut vraiment qu'on arrête de cette supérette, vraiment. Et ça n'est à chaque fois qu'on l'a fait, putain. Ouais, non, mais il faut arrêter celle-là. On fait toutes sauf celle-là. Et sauf celle des gangs. Combien tu la prends 3005, le Yuga. Je vais voir si c'est fait choper là. Oui, c'est fait choper. Hein. Et ils l'ont amené direct au. Ouais. Ok. Parce qu'il y avait une moto hein, et deux voitures. Ouais. Ah, on m'a répondu. Il t'a répondu ? What ? Woodman qui me de... un keuf qui me demande de me présenter au commissariat pour témoin d'une enquête ou je sais pas quoi. Oui, c'est c'est le déménagement. Seulement. What ? Bah tu dis et s'il y a c'est déménagement. C'est quoi vous ? Nous on a... Oula ! C'est FBI ça. Vas-y on y va. Quoi ces véhicules ? What ? Je pense c'est pour déménagement, on a juste dit déménager avec les on a déménagé avec les autres et on les a amenés là-bas, ils sont revenus et tout, bref, c'est mon nouvel appartement. T'as été convoqué, c'est ça ? Non, non, mais ils vont peut-être me convoquer après. Belle main. Et bonsoir monsieur Laurenté. Vous avez appelé pour une enquête. On vous a appelé. Ah. C'est ça qui vous a appelé pour une vente de véhicules. Vente de véhicules. Vente de véhicules. Quoi ? Vente de véhicules. Mais oui, j'ai acheté le Yuga. Oui, mais tu voulais pas la tester avant ? J'ai déjà testé un. Tu l'as testé tout à l'heure ? Il est où le Vous êtes là pour une enquête sur un Yuga, c'est ça ? Non, pour acheter un Yuga. Oui, mais toi t'as été convoqué par une enquête aussi. Oui, bah après on voit le truc. Mais il est pas là le mec que tu. Il te demande. Si, il arrive, il m'a dit. Ok. Ok. Allez, deux. Et vous avez été convoqué par qui ? Comment ? C'est qui vous a convoqué ? C'est moi. Ah, ok. Bon, bah. Parfait. Ça vous arrange pas hein, que je fasse avant de véhicule avant ? Bon, bon, allez-y. J'attends juste quelque chose. Bon, lui, c'est quoi comme enquête ? C'est intéressant. Attends. Oui, c'est quoi ? Ça concerne un vol de véhicule. Quoi ? Bon, vous inquiétez pas. Vous êtes en tant que témoin, donc en vrai, vous risquez rien. Témoin de quoi ? Ah, Cécine. Qu'elle m'a dit, elle m'a gueulé dessus, là. C'est Tia qui s'est fait voler le véhicule. Mais pourquoi je suis témoin ? Je n'étais même pas au courant, j'étais même pas là. Bah, apparemment, vous étiez dans le quartier, donc je vois, on interroge un peu tous les gens qui se trouvent. Non, pas du tout, non. J'étais pas à ce moment-là, non. Non, c'était. Bon, on m'a dit que c'était vous. Révélant et Tommy. C'était pas moi, non. Tommy qui était là ? Non, Ezekiel, je crois. Ah oui, Ezekiel et Révélant, voilà. Mais moi, j'étais pas là, non ? Pourtant, on m'a donné une
Ok. Ouais. Description de crête rouge, c'est ça petit... Non, mais on fera quand même un tout petit interrogatoire. Au pire, ça durera 5 minutes si ça s'avère que tu devrais au pavot. Mais je préfère faire ça, oui, on sera mieux en bas que dans le couloir. Non, mais c'est normal, non, mais c'est mieux. Et voilà, aussi bien si c'était pas vous, ça durera 5 minutes. Encore une fois, de toute façon, c'est en tant que témoin, donc. Je sais pas ce que je faisais, mais j'étais pas là à ce moment-là. Non, tu sais, hier soir, Gas s'est fait attraper. Et deux policiers, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais non, j'étais en cellule. Ah ouais, ok. Mais oui, parce que vous m'avez emmené, il y avait même trop de monde, vous m'avez fait ressortir de suite, et même le sergent était là. Il y a une personne qui a volé la moto de Tiga devant les flics. Ouais, ouais, et les flics ont rien fait. Je me souviens de ça, oui. Mais je me souviens que vous avez un cellule. Bonjour les mates. Ouais, bonsoir. Et c'est lui? Bah du coup, c'est bon. Pour l'avoir. Ok, ouais, tranquille. Ok. Bah je vous laisse vous en... Ok, alors j'ai jamais fait du coup, faut m'expliquer toutes les démarches. Okay, bon, bonsoir. Je vais le faire et vous observez. Ok, je vous regarde. Vous êtes pas en calbar aujourd'hui? Ah oui, non, tranquille. Bon, attends, qu'est-ce que j'ai dit en caleçon? Il va falloir, voilà. En caleçon et... Vous connaissez la mienne, non? Oh, je sais plus, moi. Non, il faut pas que je prenne la carte. Parfait. Ah oui. La pièce d'identité des deux. Il va falloir la plaque d'immatriculation du véhicule. Ouais. Attends, la galère, faut que je retrouve ça. C'est le 86 ouais. Sus SUS 224. T'as trop bien Sus. Comme ça, les speedy quand il est derrière, ils sus. Oui. Je dois vous informer, monsieur Yates, que c'est qu'à partir de demain que vous pouvez. Ah, galère. Ouais. Parce que j'ai acheté le 15. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, j'ai acheté le 15 et tout, avant c'était le jour même ou le lendemain. Ouais, non, c'est révolu. Et du coup, si je passe à minuit 1, ça non. Passe non plus. Faut que je passe à quelle heure demain? 20h46 et 34 secondes. Ok. Bah, tu vois, on sait à quelle heure on a rendez-vous demain, 20h46 et 35 secondes. Ça marche, pas de soucis. Ça te va ou pas? Bon rendez-vous. Et oui. Hey, soyez à point, les speedy, hein. C'est pour vous aussi. Ouais. Rendez-vous. Ah bah nous on est là, il y aura toujours un agent disponible. Parfait, c'est très bien. Je suis au comico avec Cameron. 46 et 35 secondes. 35 secondes. J'ai pas essayé de dire. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais, j'arrive, on arrive. T'as dit 34 et qu'on est à 35. Ouais, voilà. Ouais, non, il l'a pas vu. Allez, bah nickel. Bah, on va voir demain et puis désolé, Andrew, pour le faux espoir et tout. Mais ça, c'est que partie remise et tout. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée à l'été. Coup, c'est bon ou il faut quand même y aller là. Ouais, on va quand même y aller, et puis au moins que je prenne votre version des faits, même si au final ça va être. J'étais pas là. Je vais vous donner de version des faits parce que j'étais en cellule. Non, mais justement, vous me direz tout ça. Mais je préfère qu'on le fasse en bas, ça sera quand même mieux. En plus, c'est ma première enquête. En bas? Ouais. Mais c'est interrogatoire, vous inquiétez pas. Allez-y. La dernière fois qu'ils m'ont fait ça, je suis allé. Tu as les cellules. Hein. Bah, attention, non, la dernière fois j'étais allé cellule. Hein. Te fais pas avoir. Hein. Te fais pas avoir. Hein. Ils sont tous pareils. Hein. Ils sont tous des pourris, fais attention. Hein. On peut prendre les bureaux au pire, si vous voulez. Vous voulez qu'on aille à l'heure? Oui, va en haut, va en haut! Te fais pas avoir! Bah, quoi? Bah, alors, allons en haut. Hop. Aïe! Moi? Mais qu'est-ce que vous faites derrière la porte? On est rempli, on est poussé la tête. C'est bon, il est monté en haut, j'ai eu peur. Ah, oui, il est monté en haut. Au revoir, patron! Je lui dis d'aller en haut. Mais oui, en bas, à chaque fois, on sait qu'on descend, on remonte jamais. Après une demi-heure, quoi. Bah peut-être qu'en haut vous redescendez jamais, vous êtes déjà ouais. Monté en... Attends, je reviens, j'ai le téléphone, je reviens. Allô? Allô?
Je dois peut-être bouger donc je sais pas s'ils arrivent ou pas. Allô, bonsoir. Ouais, monsieur Laurenté. Oui. Ouais, ici le sergent Glide, là. Vous venez de fouiller une poubelle devant mes yeux au commissariat. Mais non, j'ai jeté des choses dedans. Ouais, mais vous êtes pas obligé de partir au courant comme ça. J'allais pas vous arrêter, hein, monsieur Laurenté. Mais non, mais y a pas de problème. Moi, je voulais juste courir. Moi, je cours souvent. Ah, ok. Vous voulez que je vienne? Bah, je viens. Attendez, j'arrive. Moi, j'aime courir quand je... Y a mon ami qui est interrogé. Je suis très débutatif de ce qui se passe. Ah, vous êtes en train de faire du sport. Mais oui, j'ai jeté une capote. J'ai jeté capote. Ah, bonsoir. Ah, ok. Ok, ok. Vous pouvez me fouiller si vous voulez. Hein. Ah non, mais j'ai pas envie de vous fouiller. Pourquoi est-ce que je vous fouille? Faites ce que vous voulez. Hein. Si vous jetez des capotes, jetez des capotes. C'est fait pour ça, les poubelles. Mais oui, c'est pour ça. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai jeté une capote et j'ai vu qu'en fait, c'était la bonne capote. Donc finalement, j'ai échangé. J'ai mis l'autre capote qui était usagée. Parce que des fois, on se trompe et je veux pas souvent me tromper. Là, ça serait fâcheux de jeter la bonne et de garder l'usagée. Eh oui, mais finalement, ouais, voilà. Donc voilà, tout se passe bien. Ouais, bah, enfin, je sais pas pourquoi vous courez, si c'est une envie de courir, bah allez-y. Hein, moi je cours tout le temps, vous me verrez toujours courir. Hein. Oh bah, si c'est votre passe-temps courir, y'a pas de soucis. Hein. Vous vous entraînez pour un marathon? Non, non, mais en fait, quand on n'a pas de voiture ou autre, bah pour aller plus vite, on court. Ouais. Et soit on vole un véhicule, donc c'est pas bien, soit on court. Oui. Donc faut courir, non? Sinon, prenez un petit vélo. Ah, mais vous croyez que j'ai l'argent là? Là, mais si je regarde mon compte en banque, à cause de vous, je suis à moins 2000. Non, moins 3640. À cause de d'hier, là, que j'ai voulu être gentil. Ah, oui, hier. Oui. Donc c'est la merde en ce moment. De la voiture. Oui, oui. De la voiture, c'est vraiment la merde, quoi. Et donc ça veut dire que... Pff, c'est dur en ce moment, c'est... Vous voyez, vous avez pas un peu d'argent pour me donner? En ce moment, c'est la mort. Je peux pas acheter à manger, à boire, parce que... Quand je vais à la banque, je peux plus rien retirer, je suis à moins 3640, donc vous avez un peu à manger à boire là, au moins? Attendez, je vais vous dépanner un peu, tenez. Merci. Allez, je suis sympa. Oh, 100 dollars, c'est trop bien, merci. Vous avez à manger à boire aussi? Manger à boire? Ouais, j'ai plus rien. Vous m'en demandez un peu trop, 100 dollars, vous avez de quoi vous acheter à manger à boire avec. Mais oui, mais bon, là, le temps que je trouve Arc et qu'il y ait quelqu'un qui vienne, je vais peut-être mourir de soif là. Faut pas abuser, ce bordel là. Ah, ça c'est pour vous. J'avoue que le FBI qui débarque, je me demande qu'est-ce qui se passe.
Bien sûr, HRP, je sais que c'est pas pour moi. Bien sûr que non. Non, je sais que c'est pas pour nous, on a rien fait pour l'instant. Les FBI ils veulent taper dans les gros, donc O'Neill ou peut-être Perkins sur une grosse zone, tu vois. Genre pourquoi pas Blagger, pourquoi pas Angarez, pourquoi pas n'importe quoi, Doc, n'importe quoi en fait. Après, tu sais, vu qu'ils voulaient les 500, tu sais, là les, par exemple les 500, je dois quand même le FIRP, j'ai peur, je pense que. Faut que je, dans ma tête, je dis putain, c'est peut-être pour moi, il faut que je me casse et tout, donc. Donc je vais faire le FIRP, FBI. Peut-être qu'ils ont beaucoup d'informations, voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Vas-y, tu m'amènes. Ouais, vas-y, monte. Y'a le FBI là, je crois que c'est pour moi. Bah je sais ouais, pas ce que bah j'ai ouais, fait. Je sais, j'étais en train de les surveiller, man. Ouais, je sais pas ce qu'ils font là. Quelqu'un t'a demandé de surveiller FBI? Non, c'est moi, je les surveille pour moi, mec. Ok. Non, parce que si c'est pour toi, si c'est pour autres, ils sont au commissariat là. D'accord. Ouais, ouais. Je t'amène où? Non mais si tu dois surveiller pour toi ou des potes, je te laisse. Moi je voulais que tu me déposes à une supérette. Bah vas-y, je te dépose à une supérette, mec. Vas-y. Par contre je me taille, hein. Ah tu tailles? Ah ouais, je peux pas rester. Ah bah non, bah... je pensais que tu pouvais rester un petit peu, et c'est pas... je voulais... Ah non, mais moi je surveille mes FBI pour ma gueule, frère. Mais, ah mais oui. T'as fait quoi, grosse connerie, t'as fait? Non. Ah non, moi je leur dois... Allez, non. Non, mais c'est parce que moi je vends toujours, mec. Hein, donc, voilà. Oui, mais bon, FBI ils vont pas juste pour vendre toi, c'est pour le plus gros. Ouais, mais j'ai pas envie de me faire coller non plus. Parce qu'imagine, je suis en train de vendre à côté de leur gueule. Ouais, vas-y, en haut alors, en haut. Amène-moi ici, s'il te plaît. Ok. Ils sont rentrés il y a 2 minutes, hein, donc. Oh. Allô? Ouais, t'es où? Il y a le FBI là qui sont. Je te disais, ça va. Le cas, je lui fais, apparemment, il y a le FBI en ville. Ouais. Non. Il fait boire des normates avec des garlandes. Ah, mais on en a dans notre garage, foutez bien de la gueule. Ah, ouais, ok, vas-y, je t'envoie où je suis. Oui, bah, le FBI, ils sont arrivés il y a même pas 5 minutes là. Dans le... bah, c'est la deuxième fois, hein. Je pense que c'est gros affaire. Hein. Mais c'est rien avec toi, hein, c'est sûr. Hein. C'est rien avec nous, je pense. Enfin, après, le policier m'a dit que c'était pour moi, mais bon, après... Là, ça fait une demi-heure, je les ai vus déjà une fois aller au commissariat, ouais. Ils sont revenus chez eux, et puis là, ils sont repartis, comme tu dis, là, apparemment. Ok. Ils sont repartis? Non, ils sont toujours dedans, là. Ils sont devant le commissariat, là. Non, mais moi, je les ai vus une fois partir au commissariat. Ah, okay. Après, ils sont repartis chez eux, et là, comme tu me dis, apparemment, ils sont repartis, quoi.
Non, non, ils sont toujours. Ouais, là, ils sont au commissariat. Là. Ah, mais ils font des allers-retours, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, tu vas pouvoir avoir... y aller encore. Hein. Je sais pas pour... qu'est-ce qu'ils font, là, faire des allers-retours avec vieille polizei, là. Je sais pas, des transferts de détenus, je sais pas. Non, mais tu conduis vraiment très lentement, là. Je suis obligé, je suis en taxi, mec. Eh oui, mais je veux dire, tu n'as pas besoin de t'arrêter, c'est un feu rouge aussi. Bien sûr que si, mec. Ok. Dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait fouiller. Alors, ouais. Ah ouais, t'as des trucs sur toi? Bah, bien sûr. Oui, oui, toujours. Ouais, fais attention, ok. Vas-y, parfait, merci. Mais j'avais pas fait des trucs sur toi. Allez, à toutes. Fais attention à toi. Tu m'entends? T'inquiète, t'es tranquille, ils sont tous dans leurs locaux avec le vieil. Ouais, c'est pour ça. Ils ont arrêté mon interrogatoire et tout. Ah ouais? Ils devraient te mettre devant alors, sinon, non? Ou pas du tout? Pour enchaîner. De quoi? Et les blagueurs m'ont dit qu'ils seront pas disponibles de la soirée, je les ai prévenus qu'il y avait le vieil en fait. Ah oui, bah oui, ils vont protéger, ouais. Ouais, je sais très bien ce qu'ils vont. De quoi? Alors qu'ils défendent leur zone, je pense. Ouais. Il y a une moto à côté de nous là. Ah, on peut pas, on va attendre un peu. Sérieux? Ah là, il y a une moto qui vient de passer devant nous, c'est peut-être pour ça. Ou sinon, on peut vendre aussi. Hein. Moi, ça fait plus d'une demi-heure. Hein. Bonjour madame, j'aimerais. Oh, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? On va les vendre, hein. Tu veux aller voir où, quoi? Tu veux faire quoi? Andrew? Ouais. Tu veux faire quoi? Et on va les vendre, non? Ouais, ok, vas-y. Let's go. Bah fonce, fonce, hein, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on attend là? Attends, j'envoie un message. En fait, je suis pas sûr que j'aurai le temps de vendre. Hein. Je me demande si je devrais pas. Toi, tu vends, je fais supérette. Au moins, si je fais supérette, il m'attrape et il me. Le paye et je me casse. Ils sont quoi. Tous dedans. Hein. Parce que si le FBI est là. Oui, mais, chelou, oui. C'est la première fois que je les vois, c'est con. Ouais, mais bon, moi, si on m'attrape à cocaïne, j'ai pas vraiment le temps de partir, de faire une demi-heure de cellule ou autre. Hein. Mais tu penses qu'ils vont s'amuser à aller faire bah, patrouiller? Oui. Bah, il y a sûrement des gens, des cadets ou autres. Hein. Je pense que c'est les supérieurs avec le FBI, enfin, un truc comme ça. Bah non, parce que l'officier et tout, il était parti en salle de briefing et c'était vraiment urgent. Parce qu'on est venu me chercher pendant l'interrogatoire. Toi avant cocaïne, moi je fais supérette. Vraiment, je pense que j'aurais pas le temps de si je me fais attraper cocaïne, au moins supérette, je me fais attraper, je paye. Pamela et... exit trouble. Quoi ça? Ah, trop bordé. Quoi. Dépose-moi une supérette. Bon, genre, en avec toi, je m'en fiche, je vendrai après quand tu seras plus là. Hein. Okay. On a plus de sacs. Hein. Okay. Tendresse? Non, je l'ai fait tout à l'heure. En haut. Plus en haut, la. Tu l'as dit? Prosperity. Et tu veux le faire avec ta voiture? Ouais. Ils vont clamer, hein. Ils la voient tout le temps. Je veux dire, ils sont pas bêtes. Rien à foutre. Du moment qu'ils. Ils me disent quelque chose, je leur dirais qu'elle est volée. Bien, c'est pas là. La gauche. La gauche.
Je reste dedans, tu me dis quand t'as 50. Ok. You animal! Vas-y, j'attends 5 minutes et je le teste, je reste entré. Je vais faire de l'essence, j'arrive. Vas-y. Aïe aïe aïe. Une petite supérette avant de partir. Ah bah ouais. Elle me donne des sacs. Ok. Laisse de la place pour la porte et la porte, t'es sûr? Ouais, t'inquiète. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, donne-moi des sacs, j'ai pas le temps là, c'est pas le temps là. C'est mon dernier là, c'est mon dernier, après je me casse et je reviens plus pendant 3 jours, ou 4. Allô? Ouais, vous faites quoi là? Ouais. Quoi, ça arrive? Mais non, mais je suis pas, mais vous faites non, quoi? Non, je fais une supérette là. Ah, moi, ok. Moi j'ai peur parce que la prochaine c'est supérette grave, c'est 5000. Oui, normal, bah oui, oui, oui. Normal. T'as été attrapé quoi? T'es venu au commissariat? Non, non, ils m'ont même pas mis au commissariat, ils m'ont laissé repartir direct. Non, mais tu répondais pas. Ok, bah ok. Ah, mais tu m'avais pas appelé, mais vas-y. Bon, bah bonne supérette alors. Vas-y, bah à toute. Vas-y. C'est Tommy. Et il était pas, même pas sorti en fait, ils l'ont juste déposé. Ah, oui? Ouais. Allez, donne-moi les sacs là, on n'a pas le temps là, il nous faut de l'argent, il nous faut de l'argent là! Comment ça va être 40 sacs? Ok. Allez, donne-moi les sacs, donne-moi les sacs, j'ai pas le temps, donne-moi les sacs, allez, 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 donne-moi les sacs, là. Ouh, let's go. 50 sacs. Tu m'as rien donné, là. Voilà, 56 sacs. Bah attends, hein. Ah,
Ouais, t'inquiète. Non, mais là, si on se fait attraper tous les deux, on perd tous les sacs, non? Eh non, on se va pas attraper. Allez, donne-moi tous les sacs, là, on n'a pas le temps, là. J'ai besoin d'argent, là, pour ce week-end, là. Ce week-end, il faut péter, là. Il faut péter tous les records, hein. Allez là, c'est bien, reste en bas, j'ai pas que ça à faire. Donne-moi tous les sacs, on a pas que ça à faire, allez, donne-moi les sacs. Je prends tout. Enfin une qui sonne pas, quoi. Allez, tu me donnes les derniers sacs. Allez, donne-moi les derniers sacs, là. Allez. Prends... Allez, dépêche-toi, là. Donne-moi la dernière aussi dans le barcard. Celui-là aussi. Quoi, t'as plus rien? Tu te fous de ma gueule, t'as plus rien? Ok. Allez, on revient. Dieu. Pas dans le nord, hein. On va l'opposer, quoi. On a fait 100 sacs. 104 sacs. 49 sacs. 52 chacun. Ah ouais, dans le nord comme ça. On va pas aller aussi nord que ça. Mais on fait dans le nord, non? De quoi? On en fait une dans le nord, non? Oui, mais on va déposer sac avant, non? Non, mais dans la voiture. Non, parce que si on se fait attraper avec 200 sacs... Ils mettront pas la voiture en fourrière. Non, mais si, hein, à tout moment, ils peuvent fouiller le truc. Hein. On fait le nord juste après. Ok. Ah ouais, mais en plus, le nord, je veux pas aller dans le nord. Il nous met dans cage. Non, il nous met dans cage, pas nord tout de suite. Quand je reviens. Dans le sud, c'est pareil. Ah non, dans le sud, tu payes, et voilà. Moi, j'étais en cage à chaque fois, à part hier soir, parce qu'il y a trop de monde. Hein. De toute façon, j'aurais plus le temps. Ah, c'est pour ça, autant la faire maintenant. Non. Bah, il reste une demi-heure. Non, moi je fais le guet. On dit à Tommy, donc comme ça je fais le guet. Allez, go, on revient, je dis à Tommy qu'on va en faire une. Ouais, calme-toi avec ta voiture. Moi ouais, Tommy, dans 10 minutes on fait une supérette à 3, ok? Ah, vas-y, bah j'allais partir pas fait, mais du coup, non. Ouais, et après, tu t'as pas appelé. On va la faire. Nord ou sud? On l'a fait sud. Ok, vas-y, bah je redescends vers le sud du coup. Vas-y, à toutes. Vas-y. Voilà, vous le faites à deux, moi je fais le gain. Yes. Mais ça monte partout cette merde là. Ça va? Ouais, ça fait mal quand même. Hein. Sur le cul, ça a à peine touché. T'as mis le harnais? Oui. Il y a le pare-buf, normalement tu sens rien. Hein. Quand même le choc, hein. C'est quand même. Hein. Thank you.
en 97. Quasiment eu le 200. Hein. Merde. C'est moi, il y a 105 sacs. Combien? 105. Ah bah rajoute-toi-en. Vas-y. Et putain, j'ai plus à boire. Je vais te dire de me prendre à boire avant de partir. Non plus. Tu vas rentrer moi. On va chercher à boire. Hein. Tommy est où? Il va arriver normalement. Il va me sortir maintenant. Ouais Tommy? Mais il fallait venir chez moi. Il est dans le sud. Yes, à tout. Et il était sur le parking de la Grette. Ah ouais, d'accord. Résumé, Enrique. Non mais non, le résumé pour ceux qui viennent d'arriver... Non, non, on a... C'est chaud quand même d'avoir la vieille en ville. Ouais, faut faire gaffe quand même. Le résumé... Aujourd'hui, on a donné tous les sacs, donc il y avait 1000 sacs. On a pris 500 cocaïne aussi, transfert. On a transféré ici mes 200 que j'avais acheté à un autre groupe pour les dépanner et pour leur dire tiens, je vous dépanne, c'est pour faire du plaisir à autre. On les a retransférés chez d'autres personnes en même temps. On a fait 3 transferts en même temps. Un peu pression de ouf, il y avait les flics juste à côté. C'était assez intense. Et après, derrière, bah, j'ai fait une supérette et là, c'est la deuxième. Voilà quoi. Et à 22h je coupe et je prépare tout pour que 22h30 on se casse. Au pire donne-moi toujours les sous des deux qui restent là, comme ça je donnerai ça à Tia. Oui bah j'attends un petit peu et quand ils arrivent, sinon je pars bientôt et je te donne à tout. T'as le temps d'en refaire une, t'es sûr? On peut faire mais on va la faire mais moi je fais le guet. Tommy, est-ce que tu peux... T'as besoin de boisson ou bouffer okay. Non, ça ira, t'inquiète. Ouais, deux boissons et deux bouffes. Sors... Non, deux boissons et une bouffe. Moi, sors-moi 5 boissons. Ok. 7 ah ouais. 5. Ouais, mais... Moi. Oui, mais... Je pense qu'il va faire le calcul. Oui, mais... J'ai dit 7, il a compris. Alors tiens. Ah non, je me suis trompé pour toi. C'est bêta, mon pédim. Merci. Vous achetez tous la même moto là? Moi je l'ai plus tout le temps celle-là. Merci. Ah, tiens. Bon bah c'est parti hein. Bah ouais c'est parti. On fait la grève. Vraiment de la merde. Oh, elle monte à 150-160 quand même. Bon. Et là en revenant on est monté à 197 avec le brûleur.
Ah ouais, bah c'est un brawler aussi. Ah moi je veux pas dormir tout de suite. Hein. On fait la grette ? Vas-y. Vas-y, Donc Andrew, tu t'es fait attraper une fois ? Oui. Bon bah tu le fais toi ? Ouais. Ah oui, moi j'ai pas... Moi s'il m'attrape et que je dois partir, moi je fais le game. Ouais, et moi la prochaine en plus, fois je en plus, attraper, je l'ai fait... Non. En plus moi je l'ai fait à l'instant. Oui. Le calcul est vite fait. Lui s'il se fait attraper c'est 5000, moi je l'ai fait à l'instant. Hey, tu crois que moi je vais prendre comment? J'ai pris 2005, hein. Hier déjà j'ai pris 2005. Hein. Aujourd'hui t'as pris combien? Ouais mais le flic il m'a dit... J'ai pris 2000 aujourd'hui. T'as pris 2000? Ouais. Mais comment ça je comprends pas, comment t'as fait? Parce que j'ai négocié, parce qu'autrement j'allais prendre 2005 plus le délit de fuite. Bon bah on fait pas de supérette, fait de la coque. Ouais, je sais pas la faire mais... Mais moi je peux pas la faire, moi c'est pas possible. Là je peux pas parce que je viens de la faire à l'instant, donc je veux pas moi taper Ginette. Je vais attendre une demi-heure. Eh ben on fait de la coke. Bon vas-y, vous savez quoi, c'est pas grave, j'y vais. Juste, non, go la coke. Go coke. Non mais c'est bon, je vais le faire. Non, go la coke. Il faut enlever la coke qu'on a. Il y a trop de coke là. Il va falloir bosser coke. Si vous voulez qu'on fasse à 50% et la mettre, il faut vraiment vider le coke là. Allez. Vas-y. Vas-y, go faire la coke. Et on a checké la coke. Moi. Ici. Vas-y. Tout est ici. Ouais, Tu fais la coke aussi? Non, moi là je fais rien, moi je vais arrêter bientôt là. Donc, ok. J'ai pas envie de faire un truc qui me fait attraper et trop de trucs là, je vais y aller bientôt. Faut que je trouve une moto. Bah j'ai une moto et on trouve mais la moto. On pourra pas la ranger après. Oui, mais là ce que je peux faire c'est trouver une moto pour toi. Donc je prends ma moto, tu viens derrière moi et on va chercher. Bah au pire, viens, on va faire un tour avec le brawler et on revient moi, ici. Moi je suppose que je te revois pas, Enrique. Ouais, non. Vas-y, bonne soirée à toi. Tu sais que ce qu'il faut faire, hein, le best c'est faire beaucoup de drogue et essayer de faire tomber. Okay, ouais, tu prends 15 par 15 et, et fais-toi de l'argent pour la coque. Ce serait bien que ce week-end et vous avez tout bien ça. La compta, Tommy. Ouais, tu t'en payes la compta. T'inquiète, ouais, je mets ton dans la compta. Ah, vas-y, c'est parti. À jour, Ouais, le stock tu l'as pas. Ça enlève pas automatiquement le stock. Parce qu'il y a plusieurs stocks. Mais de la part. Ok, ouais, ok. Par exemple, là t'en as pris 15. Ouais, là, dès que je les ai vendus, non. Je vais mettre du stock en fait. Tu dois faire sortir 15, donc là le stock ça s'enlève. Et tu dois juste enlever celui de stock d'Andrew. Ok, donc je mets moins 15 sur le stock d'Andrew. Je viens de le faire, moins 15. Vous avez moins, vous pouvez faire juste double clic, tu fais moins 15 et tu regardes bien si tout est bon. Ok, tu l'as mis là déjà. Ok, bah j'y vais direct. Et mets tes 15 de sortie, Tommy. Ah, ok. En fait, à chaque fois, tu dois mettre 15 de sortie, vu que tu en as sorti 15. Et okay. Dans là où tu l'as sorti, tu fais juste moins 15. Tu double-cliques, tu fais moins 15 et ça fait tout seul. Ah, ouais. Comprends pas. Je pensais qu'il fallait que je les mette une fois que je les avais vendus, genre pour mettre 15 de vendu, tu vois. Bah non, après, c'est 15 de vendu. Là, t'en as sorti 15. Et après, quand t'as vendu, tu fais 15 de vendu. Et t'enlèves le sorti. Et ça fait le calcul. Ouais. Ah oui, ok. Ok, ouais, c'est bon. Ouais, il faut expliquer longtemps. Hein. T'inquiète, Tommy, ça va aller. Ouais, non, mais c'est bon, c'est fait. Ouais, c'était le temps que ça monte au cerveau, tu sais quoi. Vas-y, ok, pas de problème. Vas-y. Allez, ciao. Ciao. À toute, Tommy. Ouais, vas-y, à toute. Y'a Dia qui arrive. Ah, parfait. Dépose ta voiture devant ton Bah voiture, non, mais je voulais tourner avec pour trouver une moto. Oui, mais moi je te tourne avec la voiture. Avec la moto, non? Là, j'ai yo, gauche et Andrew, mais look combien de coke tu as. Comme ça, moi je sais. Je cours pour chercher ma... Ah, tiens, dépose-moi chez moi. Ah non, je cours. Ça me fait du bien.
T'y arrives. Y'a une moto là? Attends. Bah ouais. T'es rapide? Mets-toi à côté. Mais calme toi. Elle est pas là. Il veut lui. Regarde la nouvelle moto que j'ai achetée. Ah c'est toi, ok, ok, je me posais la question. C'est Enrique. Ah mais d'accord. Attends, acheté ça du coup? Oui, t'as vu? Ah bah oui, ils ont dit on récupère une au concess. Naturellement hein. Ouais, parce que moi je voulais pas, tu vois, parce que sinon c'était flagrant, tu vois. Oui, mais clair. Je voulais pas qu'ils pensent que t'es jamais manigancé ou quoi, tu vois, du coup je me suis dit je vais changer. Non mais t'as raison. Attends, je vais mettre essence parce que sinon je vais tomber en panne. Bon, je te dis au revoir Andrew. Yes, profite bah, de ton week-end. Ouais, bah fais attention à vous et ouais, essayez de vendre. Tu t'en vas là? Bah je vais bientôt y aller, ouais, dans 5 minutes quoi. Ouais, je te donne l'argent et tout avant. Donc Andrew, bah bonne chance à tout et faites gaffe à vous hein. Yes, t'inquiète toi aussi. Allez, ciao. Allez, suis-moi, bon, on va banque. Oh, c'est pas vraiment des vacances, on va dire. C'est un peu privé, je vous raconterai. Okay. Comme d'habitude, allez suis-moi. Je te donne les 14 000 qui te doit. Ah d'accord, ok. Okay. Hi there. Hi there. Donc tiens, ça c'est ce que je te dois. Merci. Et ça, les 14 000, donc je mets 0. Hein. C'est bon pour toi? Ok. Hi there. Et les 14 000 desquels te doit, et normalement il te doit plus rien. Ah ben, c'est nice. Donc il a, tu sais, de quoi s'acheter du papier toilette, tu vois, pour ses sujets. Oui. Non mais là, parce que là, je lui dois encore 1235. Ok. Donc voilà. Fais attention, FBI de sortie aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si c'est grave ou autre, ou si c'est pour nous ou c'est pour d'autres. Un flic m'a dit que c'était pour moi, mais après, je sais pas si c'est vraiment vrai, vu qu'ils m'ont vu. Bah, je sais pas du tout. Après, peut-être qu'ils voulaient juste faire peur. Donc là, moi, je vais bientôt partir dans quelques minutes. Prends un avion ou... Ouais, je vais prendre un avion, mais je reviens après, je viens lundi ou mardi. Donc c'est-à-dire... Si il faut que je te dépose, tu le dis, hein, je te dépose à l'aéroport, tu vois. Oui, t'inquiète. Bah oui, bah tu vas me déposer à l'aéroport, je vais déposer mon avion. Bah, mon moto. Ouais, j'allais te dire. C'est moto, mais c'est pas pour autant que c'est avion. Hein. Ça vole pas encore.
Il va? T'as cassé moto? Ouais. Enlève les 14 cocos de qu'on n'a pas depuis longtemps, comme ça moi c'est fait. Ok, okay. Bah, tu peux le faire parce que je suis en train de... Ok, je le fais, vas-y. Merci. T'as 15 cocaïnes dessus sur toi, non? Non, j'ai déposé hein, vu que... Ah bah t'as pas envie, t'as pas enlevé. Ah d'accord, ok, attends, je vais... J'ai enlevé là, mais... Ouais, oublie pas d'enlever. Ouais, ok. Donc on a 541 en stock là. Bah non. Non, c'est pas moi qui ai 15 sur moi. Non, j'ai enlevé à l'instant. Ah d'accord, ok. T'avais 15, t'as oublié de le mettre. Ah oui, mais tu les as perdus, non? Non. Donc là j'ai enlevé 14 de trucs, est-ce qu'on a vraiment le chiffre bon? Bon, on va là. J'ai plus rien sur moi. Non, j'ai plus rien, donc je peux m'amener à l'aéroport. Ouais, bah, ouais, bien. On va un message à Ezekiel. Oui, il faut que, ouais, il faut que tu parles à Ezekiel après ce soir. Et je crois que c'est révélant pour leur dire que ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils font une enquête sur ta moto. Ah ouais? Ouais, donc ils doivent juste dire la réalité, sauf qu'ils ont juste vu une personne casquée qui est vraie, qui ne savent pas qui c'est, qui a pris la moto que les motos, et que les flics ont rien fait. Voilà. Ezekiel aussi. C'est Ezekiel et Révélant qui étaient là tous les deux. Ok, pas de soucis, je dirais. Il faut qu'ils disent ça, enfin il faut qu'ils disent la vérité quoi. Sauf que c'était moi qui ai volé, mais eux. Oui, mais ça, on ne peut pas aller lui dire, toi. Ouais. Vas-y, amène-moi à l'aéroport. C'est là à droite? Oui, hein. Je sais pas si on peut descendre, attends. Ouais, on peut y aller. Voilà. Ok, parfait. Bon, allez. Ouais, bah, la semaine prochaine, hein. Bah, la semaine prochaine, enfin lundi ou mardi. Non, lundi je viens, okay. Mais je suis peut-être fatigué, je viens des mardis. Ouais, ce qui est important, tu fais attention aux autres. C'est très bien d'essayer d'enlever toute la drogue qu'on a et autres, comme ça au moins on pourra avoir plus de pourcents et au-dessus, et la gamme au-dessus. Et essayez de pas vous faire trop prendre, ok? Faites gaffe aux chiffres. Moi je m'occupe de drogue. Ok, vas-y, bah de toute façon il y a Andrew aussi dessus. Et bon, vous avez pas mal, t'en as 156, 352, donc je pense que c'est bien les 159 pour toi. Tu peux le faire. Ouais, t'inquiète. Oui, tranquille. Et prépare au cas où si Andrew vient pas de prendre plus de coco chez toi, ok? Yes, pas de soucis, t'inquiète. Vas-y, merci à toi. Hein. Et bonne chance à toi. Tu vas me manquer. Hein. Bien.
Et embrasse ta femme de ma part et fais-lui l'amour de ma part, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète pas, je masserai les seins. Ok, parfait. Allez, bisous. À plus tard. Fatigué de voir les hommes se battre, les uns contre les autres, contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Yeah. Je suis fatigué. Propulsé témoin de mariage, confiance broyée à la hache. Mais c'était que du maquillage, c'est la signature des rages. Tu m'as dit fais ça, finalement rends-moi ton badge. Mais mec, tu t'es pris pourquoi? T'es qu'une proie dans mon rouage. Ex, toutou, tu es l'espidi. Quelle folie, plutôt d'un rond délaisse. Des bandits en uniforme brandi qui font ça pour 2-3 bifetons et qui se croient tout permis. Tic à des connards et rage, promotion connard et lâche. Moi je connais connard et rage, solution braqueur et taf. C'est tout, tout du LS, PD, mal poli, plus gros bouffon des laisses sans aucun alibi. Monsieur, vous avez pas respecté le feu. Nique ta mère, je te casse en deux, je vais te soulever de broyer les yeux. Ouais, y'a refus d'obtempérer la veste, sortir du véhicule. Quelle tristesse, putain. T'as pas de truc placé devant moi, je crache dessus en taxi. T'as la truc, passe pas devant moi, je te ferai connaître la vraie vie. Je viens de fumer sans raison, mon cher capitaine Magnus. On viendra devant ta maison pour te la mettre dans la yo-yo. Yo-yo-yo, c'est le capitaine Fiasco. Une fourrière pour un créneau, une amende pour un mégot. Voiture à peine achetée, déjà mise dans ton dossier. Tu veux pas me lâcher la grève, mec, je suis occupé. Avec ta mère et sa chatte, je ramène le dîner, yeah. Yeah, 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 Donuts Gang. J'ai trouvé mon sport, outrage à agent et menace de mort. Ouran, t'as de l'argent ou je te coupe ton corps. Parole d'ex-lieutenant, je te pose dans du pleur, trop hilarant. Oh, mais là, c'est au feu, 62 km/h, c'est limité à 50, moins 3 points. Mais putain, arrête, mec, tu me pètes les couilles, tu sais faire que ça de ta vie. Oh, mais monsieur mon père, dis donc. Oh, ben vous avez bien changé, hein, l'embrigadement dans le cerveau, là. Ça va très très vite chez vous, dis donc. Il faudrait commencer à faire quelque chose, à j'aime consulter. Nique ta mère, sale chienne, assermentée. Je vais pas te mentir que là, je suis assermenté. Il faut que tu bouges. Et les speedies, je vous fume tous. Pas besoin de code rouge. Ni de venir à la rescousse. Ça va partir en yeux coup. Coup d'usine en jugulaire. Je suis retiré, mec, je deviens fou. Je te fais une place au cimetière. Ouais, très. C'est comme les whiz. Ça juste des bits. Mais derrière, dans, ça t'en met toujours une. Dans ton, tu casses trop les couilles avec tes leçons de morale. Dans ton cul, je tape une branlette. Oui, mon chou, ça va faire mal. Faut se regarder dans le miroir avant d'accuser le coupable. Je viens juste d'ouvrir mon tiroir et de trouver quelques balles. Écoute-moi bien, à partir de maintenant, c'est fini entre nous. Tu m'as volé la Sierra et c'est fini. Parce que la Sierra, c'est toute ma vie. Et tu m'as pris ma vie en faisant ça. Alors, par son meilleur ami, franchement, je crois que ça serait bête. Je crois que tu m'en crois pas capable, quitte de la roussette. Quand tu fermeras les yeux, oublie pas qu'il y a une faucheuse qui réalisera ton vœu pour une fin de vie bien miteuse. Les gens meurent autour de toi, dans ton thé un vrai chat noir. Depuis que t'es loin de moi, dans ton j'ai repris espoir. Oh mais ça, attendez, c'est de la menace de mort. Monsieur mon père, quel ancien lieutenant vous faites. Vraiment, vous êtes vraiment parti en couille, hein. Vous et vos petites bandes de copains, vous êtes vraiment des vrais délinquants, quoi. Ouais, vas-y, bah, dégage, sérieux là ou bien. Ou bien la marée chaussée, fermez vos grandes gueules de mort. Chère police municipale, ça, ça silence et dehors. Les gars, faut pas le prendre mal. Y'aura jamais de retour. Oublie pas ce qu'a dit Ryan. On meurt tous un jour. Si un jour tu dois faire un choix de ta vie, t'as deux choix, soit de la tête et soit du cœur. À tout moment, tu peux mourir. Ouais les amis, on va raid Gregasmi qui est TIA, les amis, n'hésitez, oubliez pas, regardez bien Discord ou autre,
N'oubliez pas, c'est important, le The Event ce week-end. Demain à 18h, on va tout simplement streamer le The Event en direct là-bas avec tout le monde. Bien sûr, nous ferons le Donation Goal directement là-bas, la première heure directe. On le fera avec vous, donc vous allez me donner des idées et je verrai. Donc voilà. Donc appuyez sur le raid. Je veux que vous soyez au maximum. Allez, mettez-vous le raid là, motivez-vous là, balancez le raid là. C'est le raid, c'est maintenant. Venez, c'est le raid, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Wouh! Cliquez sur le raid! Wouh! Let's go! Wouh! Allez, à tout à l'heure. Et merci à tout le monde, merci à tous les followers. Merci encore plus à tous les subscribers. Chaque sub compte énormément pour moi. Merci à vous. Merci aux donateurs, merci aussi aux modérateurs. Wouh! Let's go! Ouais. Tu sais, donc je lui dis par contre, Benelli, on m'a piqué ma moto, lui il s'en fout. Hein. Je dis, moi je fais quoi parce que j'ai pas de moto. Elle me dit, comment ça ta moto? Je dis, bah oui, on m'a arrêté flagrant délit, tout ça. Je dis, je veux bien payer mes amendes, je reconnais complètement, mais ma moto. Et puis elle me dit, quoi, tu t'es fait toper ta moto là? Je dis, bah oui, pendant le contrôle, le mec il en a rien à foutre et tout, tu vois. Non, mais de toute façon, c'est un truc de dingue. Avec un comportement. Merci comme ça, beaucoup, maman, merci beaucoup. Ah, oui, si c'est pas nous, ça va être réglé par d'autres gens. Ouais, j'ai toute la team, maman. Je vais avoir droit à des flags et tout. Merci beaucoup. Vraiment. Il lui arrivera des bricoles. Il va se mettre dans la merde tout ça. Bah seul. Oui, mais c'est un raid de la mort ça. Ah ouais, c'est chaud. Bon, c'est mon premier raid. Hein. Oui. Ah. Ouais, non, t'étais très... Ouais, concentré. Très concentré, c'est un peu bizarre. Ouais, bah je sais pas.